Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. L'antenne sera encore ouverte ce soir, donc apprêtez-vous pour intervenir. Bon, on va stopper parce que j'ai voulu que les gens entendent cette partie. Soro Diom était l'élève de Gbagbo. Soro Diom, premier ministre de Gbagbo. C'est le même Soro Diom qui était à l'hôtel du Golfe. Donc, vous avez déjà tout compris. Donc, faites très attention. Ceux qui sont là, qui sont séduits par le Tintin de Ferkese Doukou, faites attention. Alors, aujourd'hui, on va encore parler de Soro Diom parce qu'il vient de déclarer une guerre très sérieuse à Alassane. On va parler de ça. Et qui est capable de nos jours à gouverner la Côte d'Ivoire parmi les jeunes? Nous allons dire le nom et je pense que le nom est déjà écrit. Je dis Ahmed Bakayoko est le seul capable de diriger la Côte d'Ivoire. Voilà, voilà. Donc Soro Diom, il ne peut pas diriger quoi que ce soit parce qu'il n'a jamais rien prouvé. Or, Ahmed Bakayoko, ce qu'il a déjà fait, ça y est là. Ce sont les faits qui parlent. Entre Soro Diom et Ahmed Bakayoko, qui a fait quelque chose en Côte d'Ivoire? Je peux dire, Ahmed Bakayoko a déjà fait quelque chose en Côte d'Ivoire. Par contre, Soro Diom, rien, zéro. Il est nul sur tous les plans. Donc, c'est un petit joufflu qui ne peut rien apporter, qui est là, distrait les gens. Si ce n'est pas pour tuer les Ivoiriens, il ne sait rien faire d'autre, à part la tuerie. Donc, on va en parler ce soir. C'est très important. Alors, les professeurs, attachez vos ceintures parce que ça va barder ce soir. C'est très important. Je salue déjà tous ceux et toutes celles qui sont déjà présents et présentes ce soir. Voilà. Donc, attachez les ceintures. Demandez, gagne pas. Madou, madou. Il n'y a pas histoire de négociation. C'est très important. L'antenne sera ouverte pour ceux qui aimeraient bel et bien intervenir. Il y a un numéro, enregistrez déjà le numéro qui est sur le titre de la vidéo. À travers ce numéro, vous verrez le WhatsApp. Hein? Vous allez voir le WhatsApp et une fois le WhatsApp obtenu, vous pouvez appeler. Maintenant, ceux qui aimeraient appeler en direct comme ça pour qu'on puisse les voir en vidéo pour causer directement, vous pouvez le faire. Hein? Voilà, d'autres, ils appellent à travers la caméra. Et tout ça, envoyez-moi des invitations d'appel et je vous accepte. Comme ça, vous pouvez vous afficher et parler en même temps. C'est très important. Maintenant, ceux qui ne veulent pas qu'on les voie,
mais qui veulent appeler via WhatsApp, vous pouvez appeler via WhatsApp. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable, bien et complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler Docteur Mordon, l'homme n'est rien, gouverneur italien. Boum, boum, appelez-moi, boum, boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit devant la vie ou El Padrino. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler encore de la Côte d'Ivoire. C'est très important parce que c'est mon pays et je connais bien l'histoire de ce pays. Donc, à chaque fois que je vais parler, je parlerai de ce pays. C'est très important. Alors, ce roi Guillaume a été à Daoukro où il a fait 48 heures. 48 heures et qui vaut au moins 2 jours. Et j'ai un peu fait des recherches. C'est-à-dire, ces 48 heures que Soro est allé faire à Daoukro, c'était pour poser les bases de son soutien envers Bédié, Henri Konan Bédié. Parce que Soro Guillaume, d'après les recherches que j'ai faites et les conclusions des différentes recherches que j'ai faites, Soro Guillaume ne va pas présenter sa candidature en 2020. Et même en mars, ici, là, il aura, je ne sais pas si c'est une élection au sein de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume va soutenir la candidature du PDCI. Donc, il ne va pas présenter, hein, il ne va pas présenter des éléments proches de lui, mais il va plutôt soutenir les éléments venant du PDCI-RDA. Donc, c'était les bases que Soro Guillaume est allé mettre sur pied à Daoukro. Voilà, les 48 heures qu'il allait faire à Daoukro, il est allé causer avec Bédié. Donc, il a pris sa délégation. Les Afoussia Tembaba, tout ça, les Soutous, eux tous, ils sont partis là-bas. Bédié aussi a pris sa délégation. Ils se sont assis, ils ont parlé pendant 2 jours pour trouver un consensus. Comme ça, en 2020, Soro Guillaume apporte son soutien à Bédié. Mais, ce que les gens ils ne savent pas, Soro a demandé le poste de vice-président. Il veut être le vice-président une fois que le PDCI sera élu. Le candidat du PDCI sera élu président de la République. Ce poste de vice-président revient à Soro. C'est pour ça qu'il allait négocier. Puisque le FPI ralentit, le FPI, voilà, Afi, il ne fait pas assez de poids. Vous savez, si on met Soro et Afi, Soro va avoir assez de pourcentage par rapport à Afi Nkessa. Donc, Soro Guillaume, il est très important aux yeux de Bédié par rapport à Afi. Aux yeux de Bédié, là, Soro, il est très important. Mais quand même, Bédié a besoin aussi des 9% d'Afi. Mais aux yeux de Bédié, Soro compte pour lui. Maintenant, si c'était la coalition du grand FPI, là, Bédié allait revoir les négociations entre lui et Soro pour dire, ah, petit, le poste de vice-président que tu veux là, ce poste doit quitter de l'autre côté du FPI. Ça doit quitter du côté du FPI. Et toi, qu'est-ce que on peut faire? On peut te nommer comme premier ministre. Mais comme le FPI dans son ensemble ne veut pas faire la coalition avec Bédié, et que c'est Afi qui veut faire la coalition, Afi, Bédié et Soro, alors vous savez que Soro Guillaume et Afi, Soro Guillaume, il pèse aujourd'hui en Côte d'Ivoire que Afi Nguessa. Donc, il a exigé ce poste. C'était la seule condition pour qu'il se rallie à Bédié. Et Bédié a cédé face aux exigences de Soro Guillaume. Il n'était pas parti là-bas pour avoir un cigare sur sa bouche pour fumer ensemble avec Bédié. Non, ils étaient partis pour négocier, poser les bases pour l'an 2020. Donc, en 2020, Soro, il ne va pas présenter sa candidature. D'après la recherche que j'ai faite, il ne va pas présenter sa candidature. Il va battre campagne pour le PDCI et il va demander aux nordistes de voter le candidat du PDCI-RDA. Afi, par contre, lui, il va poser sa candidature. Une fois qu'il sera éliminé le premier tour, il soutiendra au deuxième tour le PDCI-RDA, c'est-à-dire le candidat du PDCI-RDA. Et il demandera à certains militants du FPI de voter le PDCI-RDA, le candidat du PDCI-RDA. Voilà encore, voilà maintenant le match. Or, pourtant, Alassane Ouattara a été clair. Sur France 24, il a dit, il a mis Soro Guillaume en garde. Que si jamais il fait une quoi, il ne peut pas dépasser les bornes. Et qu'il a dit à Soro de ne pas se rallier à Bédié. Et Soro sait, et lui Ouattara il sait. Le journaliste lui avait demandé, mais monsieur le président, qu'est-ce que vous avez dit à Soro? Et qui sait? Il dit non, lui il ne parle pas, que Soro il sait. Maintenant, Soro dans l'une de ses vidéos, il a dit, il n'est pas quelqu'un à qui on peut intimider. Ça veut dire quoi? Il donnait la réponse, il répondait à Ouattara pour dire, lui,
On ne peut pas l'intimider. Ce n'est pas quelqu'un qu'on intimide. Pour dire, il ne faut pas faire ça parce que tu as rougi les yeux, lui, il va se soumettre. Et que lui, on ne l'intimide pas. Donc, quelles que soient les menaces de Ouattara sur les radios ou les télévisions étrangères, lui, Soro, il ne cède pas aux menaces. Les chantages, lui, il s'en fout de ce que Ouattara dira ou bien les proches de Ouattara diront. Lui, il s'en fout. Et que lui, il ne cède pas au chantage s'il veut là. Quel que soit ce que vous allez dire, il s'en fout. Lui, il va, il fonce. Il fonce. Donc, c'est pour défier le RADP qui lui avait mis Soro en garde que non, Soro a la liberté de se retirer, de ne pas se rallier au RADP, mais a intérêt à ne pas se rallier à Bédié, puisque ça ne sera pas bon pour lui. Il dit, lui, il s'en fout des chantages, quel que soit ce que les gens y penseront, et qu'il est libre. Et quand il allait à Daoukro, il a dit à Bédié que, Monsieur Bédié, mon papa, je suis libre maintenant de faire ce que je veux. C'est ce qu'il a dit à Bédié. Bédié l'a accueilli à bras ouverts. Ils ont négocié les bases, ils sont tombés d'accord. Donc, si le PDCI prend le pouvoir, Soro Guillaume, son poste, est pour le vice-président. Il veut être le vice-président. Le poste du vice-président. Alors, maintenant, je vais maintenant calculer pourquoi Soro veut tant ce poste. Voilà le problème. Soro Guillaume, il va pousser Bédié à être candidat parce que en dehors du PDCI, parmi les jeunes du PDCI, je ne vois pas qui pourra se présenter aux élections présidentielles de 2020. Eux tous, ils ne sont pas prêts. Kakabé, lui-même, on n'en parle pas. C'est un gros menteur. Lui-même, personne ne fait encore confiance à Kakabé. Il a pris crédit partout. Lui-même, on ne peut plus en parler. C'est pas quelqu'un. Oh, il était bien parti, mais il s'est discrédité, en fait, aux yeux des Ivoiriens. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut présenter. Je ne sais pas. Les autres, ils n'ont pas la carrure. Dès quand lui et Bédié, ça ne passe plus. Bédié l'a déjà démis. Hein, du PDCI. Donc, Duncan ne fait plus partie du PDCI. Bédié le voit mal. Il pense que c'est Ouattara qui l'a formaté. Ouattara l'a formé et formaté. Donc, c'est quelqu'un qui est un danger pour le PDCI. Bédié ne peut pas le présenter en tant que candidat du PDCI en 2020. Donc, Duncan n'a qu'à se dire dans sa tête qu'il n'a pas la chance avec le PDCI et il ne pourra pas être le candidat du PDCI. C'est très important. Alors, en dehors de ça, Soro, il calcule l'âge de Bédié, en fait. Il sait que Bédié est déjà vieux. Il sait que Bédié, il ne peut plus résister pendant 10 ans. Bédié ne peut plus résister pendant 10 ans. Et donc, Soro, il voit déjà le sourire devant lui. Il voit déjà le flair. Il a le flair, hein, du fauteuil présidentiel. Il voit déjà le bonheur qui lui sourit, en fait. Parce qu'il se dit, si Bédié, il soutient Bédié, que Bédié vient au pouvoir en 2020. D'ici, ils vont dire 2025, Bédié a déjà fait briller. Peut-être 4 ans après, Bédié, il ne pourra plus bien tenir. Il ne pourra plus bien tenir. Donc, il sait qu'en 2025, il aura des nouvelles élections. C'est là. Soro va dire, Bédié, je t'ai soutenu. C'est à mon tour. Soutiens-moi. Bédié va dire, soutenez mon fils. C'est mon fils et tout. Et là, Soro, malin qu'il est, il va vouloir même faire coalition avec le PDCI RDA. Il va vouloir adhérer au sein du PDCI RDA dans le but d'obtenir les voix des militants du PDCI RDA pour pouvoir prendre le fauteuil présidentiel. Il est malin. Il sait qu'au sein du RADP, il pouvait plus être favorable aux yeux de Ouattara. Voilà pourquoi il a vu clair. Il dit même si j'adhère à ce parti, Ouattara ne va pas me présenter comme candidat. Ouattara, je ne veux pas. Bédié, je m'oriente vers toi. Je te soutiens, tu prends le pouvoir. En 2025, tu es vieux, tu ne pourras plus rien faire. En dehors de ça, il sait que lui, il est bien parti. Bédié va dire, soutenez-le. Et tout ça, ils vont le soutenir, il prend le pouvoir en 2025. C'est là maintenant, les gens vont voir. Les gens, il va montrer maintenant son vrai visage. Ou bien même si Bédié ne fait pas attention, il va éliminer Bédié. Parce que quand tu es vice-président, une fois que le président est en vacances, ou bien le président ne se porte pas bien, il a une grave maladie, alors c'est le vice-président qui prend le relais. Donc Soro, il est capable de faire quoi que ce soit parce que il a un pas même à un pas du fauteuil présidentiel. Donc imaginons qu'il soutient Bédié et que Bédié dit Soro, tu es mon vice-président. 2 ans après, 3 ans après, Soro, il est capable même de donner du poison à Bédié. Ils vont dire le vieux Nzueba, il se porte pas bien, il vient à Paris pour se soigner. Il va même s'autoproclamer président de la République. Il va dire
Comme vous savez, la Constitution dit à titre tant, dit qu'au cas où le président est en vacances ou bien il ne se porte pas bien, c'est le vice-président qui prend le relais. Et Soro, il va s'asseoir dans le fauteuil présidentiel parce qu'il sait que Bédié ne va plus revenir. Et là, il va gouverner deux ans. Il va gouverner 2 ans. Mais les 2 ans là, il va bien s'asseoir. Il va placer ses deux gars partout. Comme ça. En 2025, quand ils vont dire les élections, ils ballent tout le monde au premier tour. Et quiconque voudra s'opposer à lui, il connaîtra l'odeur de Soro Guillaume parce qu'il ne va pas s'abuser. Il va les chicoter un à un. Voilà le danger. Voilà pourquoi quand j'appelle les gens du RADP, faites attention, ne jouez pas. Ne jouez pas. Babou a joué. Envoie les dos du Niger. Ils pensent qu'ils sont cachés. Envoie les dos. La nuit où ils passent. On a vu tous ces discours-là. Vers la fin, là, il a été déçu. Lui qui pensait qu'il voyait les dos des nageurs, là. Vers la fin, ce sont les nageurs qui ont vu son dos. Faites attention. Ne pensez que. Non, c'est bouclé. C'est bouclé. 2020, bouclé. Ce sont des discours. Mais au moment où le jour viendra sur le terrain, là, ça change. Hein. Il y a des discours et il y a ce qu'on fait sur le terrain. On a vu Kadhafi ici. Quand l'OTAN commençait à bombarder son pays, il sortait, il faisait comme ça. Je vais mater l'OTAN. Mais vers la fin, on a vu. C'est Kadhafi qui a été maté par l'OTAN. Faites attention. On a vu ici, Hitler voulait envahir la Russie parce qu'il se croyait fort. Quand il a tenté, il a frappé. Mais vers la fin, c'est lui qui a été maté par les Russes. Faites attention. Ne dites pas, c'est bouclé, parole. Et les actes sur le terrain, ça fait deux. Tu peux beau parler, oui, tu peux beau parler. Mais si on te dit d'appliquer ce que tu as dit là, l'autre aussi, lui, il ne doit pas, hein, lui qui est en face là. Tu as bouclé de la manière que tu as bouclé. Lui aussi, il réfléchit, il n'est pas un idiot, s'il n'est pas un animal. Il sait que tu ne cesses de dire c'est bouclé. Lui aussi, il met sa stratégie en place. Mais c'est toi qui as agité. Tu te fais tellement confiance que tu ne fais plus attention à la stratégie de celui qui est en face. Le jour où il fait sortir son arsenal, là, tu es surpris. Tu dis, oh, si je savais. Hitler était surpris de voir les chars russes alignés de Moscou jusqu'à Berlin. Il dit, si je savais, je n'allais jamais les attaquer. Je n'avais jamais imaginé qu'il possédait autant de chars. Qu'on m'a trompé. Mon service de renseignement m'a trompé. Mais trop tard. Ne pensez pas que vous dites, c'est bouclé, c'est bouclé. Parce que vous comptez sur vos services de renseignement, vous comptez sur la France, vous comptez soit sur une partie de la population qui dit, oh, Soro n'est rien, c'est le joufflu, truc, le petit joufflu de truc, de frère Kessé Doukou, Bédié n'est rien, ou je bah, ce sont des fumeurs de cigares, ce sont des gens, non, ils ont des petits gros ventres, ils peuvent rien faire. Faites attention, à la dernière minute, ça pourra vous surprendre. Pour éviter ça, je demande à Ouattara et son gouvernement de traquer Soro dès maintenant. Oh, mais pourquoi vous rejetez ce qu'on peut faire aujourd'hui même? Je ne comprends pas des gens. La patience, ce n'est pas des trucs où on peut patienter. C'est-à-dire, quand il y a l'occasion, faire en même temps. Mais vous retardez les choses. Non, diplomatie, il y a quoi dans Soro, lui, il ne joue pas. Hein? Si c'est lui, là, si c'était Soro, il y a longtemps, il vous a éliminé. Est-ce qu'avec IB, il a fait diplomatie? Il s'en fout. Il dit, éliminez-moi, IB. Éliminez-le-moi. Ils l'ont mis KO. Est-ce qu'avec, comment il s'appelle, Désiré Tagro, il a négocié. Il a mené quel. Il dit éliminez-le. C'est un danger. Ouh, ils l'ont éliminé. Ils voulaient même éliminer Laurent Gbagbo. Et vers la fin, dit, c'est Ouattara qui a dit ils n'ont qu'à tuer Gbagbo. Soro voulait la peau de Gbagbo. Soro, lui, sa vision, c'était de tuer Gbagbo même. Ce n'était pas pour négocier avec lui. Lui, sa vision, c'était de l'éliminer coûte que coûte. Pour dire, c'est Ouattara qui a demandé à ce qu'on tue Gbagbo et mettre le problème sur Ouattara. Et tout le monde, tous les Ivoiriens que je connais, les pro-Gbagbo, les progressistes, les radicaux et tout, ils vont dire Mokhossignan, tu es Gbagbo, Mokhossignan. En pourtant, le vrai terroriste, le vrai criminel, le vrai bandit notoire, le vrai Diobala, il est en bas d'eux et il va venir les séduire. Soro Gbagbo Diom. Soro Gbagbo Diom, c'est lui qui allait comploter pour qu'on tue Gbagbo et mettre la fesse sur l'autre. Comme Ouattara aussi, c'est quelqu'un, il ne parle pas beaucoup. On l'accuse, il ne parle pas. Il est muet. Il attend que les grandes chaînes l'appellent d'abord pour lui poser ce genre de questions pour répondre.
Sinon, quand c'est au pays, tout ce que les gens disent, Ouattara, fais ça, Ouattara, il ne parle pas. Il ne parle pas, il est là. Ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup comme Gbagbo. Il ne parle pas beaucoup comme Diom Soro. Il ne parle pas beaucoup comme Blaise Goudé. Il ne parle pas beaucoup comme Bédié. Il est là, dans son coin. On l'insulte, on ne l'insulte pas. Lui, il s'en fout. Il voit, mais il ne répond pas. Donc, quand c'est comme ça, d'autres pensent que ce que les gens disent sur lui, c'est vrai. Mais non, ce n'est pas parce qu'il ne parle pas et qu'il est muet et que les gens rencontrent n'importe quoi sur lui que c'est vrai. Non, c'est le jour où il sort pour expliquer les faits. C'est là que d'autres disent, ah, donc, ah, c'était faux. Mais pourquoi il a mis assez de temps avant de répondre? Donc, s'il a mis assez de temps, c'est qu'il est responsable. Donc, d'autres se basent maintenant sur la durée, hein, de la réponse du président. Il regarde ça maintenant pour dire non, le président est responsable parce qu'il a mis assez de temps. Non, ce n'est pas tout le monde qui est émotionnel, ce n'est pas tout le monde qui parle vite. Donc, Yaya, gérer le cas de Soro parce qu'il n'a pas respecté Ouattara. Et il a dit ouvertement que ce n'est pas quelqu'un à qui on peut influencer. Ce n'est pas quelqu'un qui se soumet. Ce n'est pas quelqu'un à qui on fait des chantages pour se soumettre au chantage. Il dit, lui, il est garçon. Et hier, il a tenu un discours. Il dit, les hauts cadres du RADP, là, il dit, soyez des hommes. Ne soyez pas des familettes. C'est quel parti politique où on met pression sur les gens? Donc, ces gens qui sont là-bas, ils n'ont qu'à être des hommes. Donc, ça veut dire, lui, Soro, il est homme. Et qu'aucun individu venant du RADP ne peut lui donner des ordres. C'est fini. En commençant par Ouattara, Ahmed Bakayoko, il voit personne qui peut lui dire qui que ce soit pour que lui, Soro, il puisse se soumettre. Donc, c'est un défi, c'est une déclaration de guerre directe contre Ouattara. Alors, que fera Ouattara? On attend Ouattara. On veut voir la réponse réciproque de Ouattara envers la personne de Soro. Parce que s'il joue, Soro, je vous dis, c'est deux fusserets qui sont là à se coaliser. Hein. Bédié, il est fusseré contre Ouattara. Ne pensez pas que Bédié, quand il dit c'est mon frère Ouattara, restez là, écoutez les discours de Bédié, c'est mon frère Ouattara, c'est mon frère. Quand il va prendre le pouvoir, là, c'est là que vous allez comprendre que tout ce qu'il disait, c'est mon frère, ce n'est pas une histoire de frère. C'est-à-dire, il va pourchasser Ouattara. Vous allez oublier que Ouattara avait gouverné le pays. Il va pourchasser Ouattara partout. Il ne va même pas gouverner le pays. Hein. Il ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire. S'il prend le pouvoir, là, sa mission, c'est de pourchasser Ouattara partout dans le monde. C'est ça qui sera le programme de Bédi, en fait. Vous le connaissez. Lui, il s'en fout de développement. Les Ivoiriens meurent, ce n'est pas son affaire. C'est-à-dire, si lui, il prie Dieu, il milite en ce moment, il n'a qu'à prendre le pouvoir. Son projet de gouvernement, c'est de traquer Ouattara partout où il ira. C'est-à-dire, il va le traquer jusqu'à son dernier retranchement. Et tous les ministres qui sont autour de Ouattara, il va les traquer. Donc, n'oubliez pas ça, le passé n'est pas encore mort. Le passé nous permet de gérer le présent et de projeter un regard sur le futur. C'est très important, mes frères et sœurs. Soro aussi, c'est quelqu'un qui est frustré. Où il est là? Où il est là? Vous pensez que il est là, il a d'autres Ouattara. C'est fini. Hein? C'est avant, il dit Ouattara était une lueur pour lui. Mais maintenant, il est Ouattara, il déteste Ouattara. Donc, s'il fait coalition avec Bédié pour prendre le pouvoir, vous pensez qu'il va trop sourire à Ouattara? Si Ouattara ne fait pas attention, ils vont bloquer compte bancaire d'Alassane Ouattara. Partout ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. Bloquer son compte bancaire. Partout. Ils vont le traquer. Et ça sera le projet de Soro et de Bédié. Leur mission, c'est d'avoir la peau de Ouattara. Et donc, deux individus frustrés, en dehors de ça, ils sont des criminels. Ils sont des criminels parce que n'écartez pas Bédié. Bédié a soutenu la rébellion. Je n'ai jamais vu Alassane Ouattara soutenir une rébellion en Côte d'Ivoire. Mais Bédié, par contre, a soutenu la rébellion. C'est lui-même qui a donné ses différents noms aux rebelles de Côte d'Ivoire. Donc, c'est deux rebelles, deux grands rebelles, deux grands frustrés, deux grands éléments qui n'ont aucun projet, qui ont un seul projet en commun. Traquer tous ceux qui gouvernent en ce moment. Donc, à votre tour, pendant que vous êtes là, profitez pour les neutraliser en même temps. Non, vous êtes là, diplomatie. Diplomatie, ça vous surprendra. Le jour, parce que 2020, personne ne sait. Nul ne sait. Personne ne connaît son avenir. Personne ne peut prédire. Nous ne sommes pas des devins.
pour deviner ce qui doit arriver demain. Seul Dieu y sait. Vous ne savez pas ce qu'ils se disent quand ils partent dans leur bois sacré. Ce qu'ils se disent, les deux frustrés là. Vous ne savez pas les décisions qu'ils mettent sur pied. Faites attention, prenez des décisions. Gbagbo a rigolé jusqu'à vers la fin. Voilà, il s'est retrouvé à la CPI. Il est loin maintenant de la Côte d'Ivoire. Il ne peut plus partir en Côte d'Ivoire en ce moment. Ouattara, si tu veux aussi te retrouver à Guantanamo pour lutter jusqu'à... Tu vas aller en exil à Cuba. Ils continuent. Ne règle pas leur affaire. Ahmed Bakayoko, toi aussi, si tu veux partir en exil en Corée du Nord ou bien, je ne sais pas, en Russie ou bien, je ne sais pas, aux États-Unis, pour ne plus voir le sol ivoirien, continue. Ne prends pas des décisions. Hein. Tu es le ministre de la Défense. L'armée est à disposition. L'armée suivra tes ordres. Si tu demandes à l'armée d'arrêter ces deux éléments, l'armée exécutera l'ordre que Ahmed Bakayoko donnera. Mais si Ahmed Bakayoko veut se comporter comme un démocrate, mais vers la fin, c'est la démocratie qui mangera sa peau. Et ce sont des préventions, je vous préviens en même temps. C'est très important. Laissons maintenant le cas de Soro Diom et Henri Konan-Bédié. Venons maintenant sur la personne. Voilà, je suggère quelque chose aux membres du RADP. Je vais leur donner une idée qui pourra les permettre de gagner les élections de 2020. Et c'est clair. Que Ouattara évite de poser sa candidature. C'est un bâtisseur 7. C'est un bâtisseur 7. Mais il doit éviter de se représenter. Sinon, s'il se représente, ça va soulever assez de colère du peuple. Et ça va aller en désordre total. Et dans ce désordre, ça va créer l'irréparable. Pour éviter que ça crée une situation irréparable en Côte d'Ivoire, que Alassane se retire en 2020. Mais il y a un petit qui laisse sa vision de Kamblat Dekan. Kamblat Dekan est un vieux, il est chauve, fatigué. Kamblat Dekan, c'est la promotion de Bédié, c'est la promotion de Ouattara. C'est pas parce qu'il ne parle pas beaucoup. Ouattara, tu as promis aux Ivoiriens que la nouvelle génération sera pour 2020. Donc, si tu nous présentes Kamblat Dekan, lui, c'est un vieux. Les Ivoiriens ne veulent plus d'un vieux. Non, je ne vais pas tutoyer, je ne vais pas vous voir Ouattara. Il dit qu'il est le père de la nation. Donc, il est le président. Donc, un président, c'est quoi? C'est lui qui est le papa. Donc, comment un enfant peut appeler son père encore vous? Non, un enfant ne peut pas appeler sa mère vous, ne peut pas appeler son père vous. Il doit tutoyer ses parents. Donc, je tutoie Ouattara. Voilà. Parce que je sais que quand je vais ouvrir l'antenne, d'autres vont dire, tu ne respectes pas, hein? Ouattara, ton ami, et puis tu dis tu, pourquoi tu n'as pas dit vous? Donc je préviens ces gens de personnes-là qui ont déjà ces gens de mentalité, je les préviens déjà pour qu'ils puissent nettoyer leur cerveau. C'est très important. Donc, Kamblat Dekan, c'est un vieux. On ne veut pas de Amadou Gon Coulibaly, ce monsieur-là, il ne mérite plus. Quelqu'un qu'on tient en main, toujours, il boit. C'est un alcoolo, on ne veut pas des alcoolos. Quelqu'un qui boit déjà l'alcool, il est sous tout le temps, tout le temps. Il faudrait qu'on l'attrape pour qu'il marche. On ne veut pas des alcoolos au sommet de l'État ivoirien. Des gens qui boivent. Quelqu'un qui a bu, il s'est même plus. Il n'a même plus son cerveau en place. Il va dire quoi là-bas? On dit, voilà, on parle d'affaires. Où chaque État va avoir sa part. Qu'est-ce qu'il va dire? Amadou Gonk, il va dire quoi là-bas? Boisson dans ses yeux, il va dire quoi? On ne veut pas des Jean-Claude Juncker qui sont ici en Europe, ils dandinent tout le temps, ils disent n'importe quoi, ils Donald Trump les malmènent sur tous les plans, et puis ils ne peuvent même pas défendre hein, leur continent. On ne veut pas ces gens de personnes en Côte d'Ivoire. On veut des personnes responsables, des personnes capables de taper la main sur la table pour dire non, je ne veux pas, des personnes capables de négocier à fond, des personnes capables hein, d'avoir, d'être sain en va dans les négociations pour la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly est un soulard. On ne veut pas de lui. Donc, Ouattara, dans tes projets, si Amadou Gon Coulibaly était ton candidat, arrache-le sur la liste. Parce que s'il part, c'est un échec au total. Le RADP perdra en 2020. Si c'est Amadou Gon Coulibaly, tu veux présenter. Non seulement il est vieux, il est chauve, hein?
Et il boit. Il est tout le temps saoulé. On ne veut pas de ces gens de trucs de personnes. Kablan Dekan, il n'est pas présidentiable. Il est intelligent, certes. Il ne parle pas beaucoup, il a dit. Mais on ne veut pas des gens qui sont incapables. Et on dirait une fiole, en fait. Il est comme une femmelette. Il est là, il est dans des grosses vestes. Loukou, on dirait femme enceinte. On ne veut pas ces gens de personnes. Et il est chauve, il est vieux. En Ouattara nous a dit que la Côte d'Ivoire de 2020, là, c'est pour la nouvelle génération. Donc, il doit respecter sa parole. Ouattara, toi-même qui es vieux, on ne veut plus de toi en 2020. C'est clair. Donc, en dehors de ça, si nous constatons que les membres qui sont au sein du RADP, ils sont vieux, et que Ouattara nous parle de nouvelle génération, alors il y a encore des jeunes brillants. Et je vais citer le nom d'un seul jeune brillant. Oui, un bâtisseur. Un jeune capable de surprendre tous les Ivoiriens. Un jeune capable de changer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Un jeune d'ailleurs qui n'a même pas le sang dans ses mains. Un jeune qui n'a jamais tué. Un jeune qui a sauvé les Ivoiriens. Un jeune qui aime l'amusement, qui aime tout ce qui est bien. Ahmed Bakayoko est celui-là. Il n'est pas vieux. Il n'est pas vieux. On ne l'a jamais vu être saoulé dans les rues d'Abidjan. On ne l'a jamais vu être saoulé pour être tenu par des gens pour dire Ahmed, Ahmed, relève-toi, marche tranquille, marche bien, tu es saoulé. Non, on n'a pas encore vu, même s'il boit, mais il mesure son degré d'alcool. Il sait boire, il boit, mais il boit pas jusqu'à fond pour être un saoulard. Par rapport à Madougon Coulibaly, lui, il boit jusqu'à il sait même plus où il est. On ne veut pas des présidents qui vont chier dans leur guine ou bien dans leur tissu pantalon en plein jour pour humilier la Côte d'Ivoire. Parce que si cela arrivait un jour en Côte d'Ivoire, ça serait une humiliation. Bédié nous a fait cela. On ne veut plus cette humiliation. Oh, Bédié avait chié sur lui, pissé sur lui. Il avait bu Bangui blanc jusqu'à fatiguer. Il a chié sur lui, il a pissé sur lui. On ne veut plus ces gens de présidents qui vont humilier la Côte d'Ivoire. Il n'a rien fait. Il avait passé tout son temps. Son mandat qu'il a fait, son projet, c'était de pourchasser à Ouattara partout dans le monde. Il a pourchassé Ouattara à Washington, il a pourchassé Ouattara à Paris, il a pourchassé Ouattara à London, à Berlin, je ne sais pas, c'est Tokyo même qui restait ou bien, je ne sais pas, Pékin ou Moscou. C'est là-bas Ouattara n'est pas parti. Sinon, Bédié, son projet, c'était de pourchasser l'autre et l'attraper, le mettre en prison. C'était ça son projet. On ne veut plus de faiblards, des ignares en Côte d'Ivoire, des présidents qui pissent sur eux, qui chient sur eux pour humilier toute une nation. Parce que quand on dit président, c'est quelqu'un qui représente la Côte d'Ivoire. Donc, quelqu'un qui doit représenter la Côte d'Ivoire doit être quelqu'un qui mesure son degré d'alcool, qui ne boit pas jusqu'à fond pour chier sur lui. Non. Et Ahmed Bakayoko, je pense qu'il est quelqu'un qui est mieux placé. Il est quelqu'un, allez-y, Abobo. Quand j'ai vu la mairie d'Abobo, mais j'ai été surpris, étonné. Ah oui! La mairie d'Abobo, qui pouvait aller même à côté pour manger, même pour respirer, c'était tout un problème. Tu allais avoir crise cardiaque. Ça allait te donner crise cardiaque. Tellement l'insalubrité, les eaux usées autour. On ne pouvait même pas manger, même crée pour manger ça à côté de la mairie d'Abobo, mais c'était tout un problème. Les microbes, c'était le siège. Mais allez-y là-bas aujourd'hui. Abobo, on dirait Petit Paris. Allez-y auprès de la mairie d'Abobo. Vous allez me dire, mais c'est quel bâtiment ça? On dirait le bâtiment où le pape dort. On dirait le bâtiment où la reine Elisabeth II dort. On dirait le bâtiment où les grands dirigeants de ce monde dorment. Parce qu'il a transformé cette mairie. Il est là construit Abobo. Il est là nettoyé. Il est là protégé cette commune d'Abidjan appelée Abobo. Désormais, ou bien d'ici un an, Abobo va être la nouvelle commune qui va attirer les hommes d'affaires, qui va attirer les gens qui ont un peu d'argent, qui aimeraient vivre à Abidjan pour sentir le goût d'Abidjan. Ça sera Abobo. Parce que Abobo est en train de se transformer. Abobo, tu pars là-bas aujourd'hui, tu vas penser que tu es à Washington, tu vas penser que tu es à Miami, tu vas penser que tu es à Tokyo, on est à Pékin. Tellement Ahmed Bakayoko est en train de travailler. Il a fait combien de mois même? Il n'a même pas encore fait 2 ans. Mais le changement, ça se voit. Ça se voit, ça se sent, ça se goûte. Ah oui, ça se touche. Parce que ce sont des faits. Mais Soro Guillaume, votre petit gros Yobala, de Fesquet, il a fait quoi? Il est député de Fesquet, ça fait combien d'années? Ça lui fait au moins, ça lui a fait 8 ans.
qu'il était député de Fekese-Dukou. Qu'est-ce qu'il a fait pendant les 8 ans? Il a transformé, il a fait quoi même à Fekese-Dukou? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Ruto, il n'a même pas fait. Petit marché, rien. Pour dire petit magasin de riz, rien. Il n'a rien foutu à Fekese-Dukou. Tout ce qu'il a, c'est de dire, Ouattara m'a chassé, en 10 euros, fais ton bilan. Tu as fait quoi là-bas? Non, il n'a aucun bilan. Il est là, il a des projets de tuer les Ivoiriens et tout. On ne veut plus des malfaiteurs en Côte d'Ivoire. Donc, voici un peu mon développement. Donc, c'était pour dire à l'Assemblée de la Mande Ouattara que s'il veut présenter un jeune en Côte d'Ivoire, il présente Ahmed Bakayoko, il gagne. Parce que face à un bédier qui est déjà vieux, on ne peut pas laisser Ahmed Bakayoko pour que les Ivoiriens puissent aller voter un vieux. Non, non, Ivoirien, il est trop sage. Ivoirien, il n'est pas ignorant. Ivoirien a vu comment Bédié a gouverné ce pays depuis 93 jusqu'en 99. Il n'a rien foutu. Il fallait qu'un coup d'État l'enlève. Même si je déteste les coups d'État, mais ce coup d'État était salutaire. Parce que ça a sauvé, d'une part, les Ivoiriens. Oui, oui, parce qu'il illuminait la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Quand on dit qu'il y a une réunion internationale où les pays devraient négocier leur part du gâteau, on était inquiet. Parce qu'on dit, ah, Bédié, est-ce qu'il va encore chier? Est-ce que Bédié va encore pisser? Et ça, c'était l'image de la Côte d'Ivoire qui nuisait partout dans le monde. Donc, je pense que j'ai été clair. Alors, l'antenne est ouverte. Pour ceux qui aimeraient nous joindre sur WhatsApp, vous pouvez dès à présent appeler. Ou bien ceux qui veulent appeler directement, envoyez-moi les invitations et on décroche vos appels en direct, en vidéo, comme ça. Vous allez dire ce que vous pouvez nous dire. C'est très important. Donc, on vous attend, on vous écoute. On vous écoute. Le WhatsApp est ouvert. Donc, je vois qu'il y a des gens qui veulent appeler. Parce que je vois qu'il y a des gens qui aimeraient intervenir en caméra. Pour ceux qui aimeraient intervenir, appeler. Non, 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 non. Évitez d'appeler sur le numéro. Évitez d'appeler sur le numéro. Voilà. Je vous ai donné un numéro pour le WhatsApp. N'appelez pas directement sur le numéro, s'il vous plaît. Le WhatsApp est ouvert pour vous. Vous pouvez appeler sur le WhatsApp. Allô? Allô? N'appelez pas sur le numéro, appelez sur le WhatsApp. Allô? Oui, tu m'entends? Oui, nous vous écoutons, frère. Ok, comment tu vas, JJ? Ah, nous allons bien. Et chez vous? Ça va très bien, Dieu merci. JJ, c'est le frère Kébé. Ah, ok, nous vous écoutons. J'appelle pour intervenir sur ton direct aujourd'hui. Oui, on vous écoute. JJ, tu sais, moi, je te suis depuis longtemps. Hein, oui. Et je suis tes conseils et j'écoute bien tes propos. Oui. Avant de juger, j'aimerais te poser une question. Allez-y, on vous écoute. Je me rappelle très bien à la première semaine de novembre 2018. Mmh. Dans ton même direct, sur cette même place, à la même heure, tu as eu un débat. Et tu as dit que Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, il est éligible. Oui. Il peut poser sa candidature. Et je me rappelle, c'est moi encore qui t'ai appelé pour dire que non, la constitution lui permet d'être candidat. Mais est-ce que c'est pour sa candidature, ça ne sera pas quelque chose qui va bousculer un peu dans le pays. Et toi, JJ, tu me disais que non, pourquoi? Que forcer, oui, s'il y a des incapables, donc il est bel et bien, il a commencé un boulot, il doit continuer même en 2020, tu le supportes. Oui. Donc, ma question est la suivante. Allez-y, posez-la. De novembre 2018 à février 2019, qu'est-ce qui a changé ton idée? Tes idées, plutôt. Ah, ok. Vous me posez des questions. Oui. Voilà, les choses qui m'ont fait changer d'idée, en fait. J'étais pour la candidature d'Alassane Ouattara, mais je vois que j'ai bel et bien analysé la situation. Je vois que des gens qui vieillissent, lorsque quelqu'un il est trop vieux, il ne réfléchit plus bien.
Et les merveilles que Ahmed Bakayoko vient de faire, parce que je n'avais pas encore vu sur le terrain, je ne savais pas que Abobo était là, se développer à une vitesse incroyable, une vitesse éclair. Mais lorsque j'ai été surpris du développement d'Abobo, je me suis dit, mais dis donc, voilà quelqu'un qui n'a même pas encore fait 2 ans au sein de la mairie d'Abobo, mais qui est là, changer déjà l'équation sur le terrain. Je pense que ce dernier, il nous le faut pour changer toute la nation ivoirienne. Voilà pourquoi je suggère aujourd'hui au RADP de choisir Ahmed Bakayoko en tant que le futur candidat. Parce que si jamais le RADP fait l'erreur de nous choisir Amadou Gon Coulibaly, il est déjà vieux, c'est un alcoolo, il peut rien faire. Or, Kablan Deka, il est déjà vieux et lui aussi, il peut rien faire. C'est un ami, il boit de l'alcool. Voilà, il peut rien faire. Il nous faut Ahmed Bakayoko. Voilà, voilà pourquoi je l'ai choisi. Merci pour la clarification. On Ok, vous merci pour la remercie. clarification. Ma deuxième question. Ouais. Donc, pour toi, selon la constitution ivoirienne de Oui. 2015, donc c'est toujours OK quand même pour le président, M. Alassane Ouattara, pour être candidat. Vous dites quoi? Pour la constitution, la nouvelle constitution ivoirienne. Oui, ça lui Donc pour permet toi, c'est de, OK. oui, de se Ça lui permet. représenter. Non, je veux savoir. C'est OK pour être candidat, pour qu'il soit candidat, n'est-ce pas? Exactement. OK. Maintenant, la dernière question. Dans ton titre, tu dis que Soro Guillaume vient de déclarer la guerre à Alassane Ouattara. Oui. De quoi s'agit-il? Si j'ai bien suivi ton intro. Ah, ok. Vous n'avez pas compris mon développement. En fait, Alassane a été clair sur France 24. Avant de démettre Soro Guillaume de ses fonctions au sein de l'Assemblée nationale, il a bel et bien dit à Soro, parce que, vous savez, l'avenir de Soro Guillaume se trouve dans les mains d'Alassane Ouattara. Si aujourd'hui, Ouattara décide de le livrer à la CPI, mais il sera livré proprement, sans hésitation. Fatou Ben Chouda sera au beurre d'avoir eu Soro Guillaume dans ses bras. Donc, pour éviter de le livrer, il a dit à Soro Guillaume clairement et proprement que tu peux te retirer, tu peux être neutre, libre, mais ne fais jamais une alliance avec Obédié, sinon cela te coûtera cher. Et ils ont conclu encore un accord. Lui et Soro, ils ont trouvé un consensus avant que Soro Guillaume ne fasse son discours pour dire qu'il démissionne au sein de l'Assemblée nationale. Hier, Soro Guillaume, il part à Daoukro et lui, il dit qu'il n'est pas quelqu'un à être intimidé. Et donc, lui, il est garçon. Il ne se soumet pas aux ordres des gens. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que Ouattara lui avait dit. Et le deal qu'il avait signé avec Ouattara, lui, il part contre ce deal. Donc, quelqu'un qui trahit quelque chose que vous avez mis en place, c'est un traître. Et c'est une déclaration de guerre. Donc, en un mot, Soro déclare la guerre à Ouattara. Et non seulement à Ouattara, mais à tous les membres du RADP. Alors, dans ce sens, ils devaient prendre leurs responsabilités pour essayer de riposter contre la personne de Soro. Voilà pourquoi je dis Soro déclare la guerre à Ouattara. Allô? Bon, je pense que il est coupé. On attend les prochains intervenants. Si vous pouvez appeler, on vous attend. On vous attend. Donc, le WhatsApp est ouvert pour ceux qui aimeraient appeler directement, mais appeler, invitez-moi en vidéo. Et là, je vous accepte et vous pouvez appeler en direct. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, est-ce que vous pouvez un peu parler plus fort, si possible? Ouais. On vous Bon, je écoute. voulais intervenir un peu. Je voulais intervenir au débat. Oui, on vous écoute. Ouais, c'est très intéressant. Bon, votre analyse est vraiment parfaite. Oui. Ce que je voulais seulement apporter, c'est que c'est vrai, Ahmed Bakayoko, actuellement, il est l'élément le plus populaire du parti RHDP. Oui. Mais moi, je pense que dans la tête d'Alassane Ouattara, actuellement, il veut peut-être, s'il ne se présente pas surtout, il va présenter Kablan Deka.
Ouais, parce que, imagine si Ahmed Bagayoko est présenté au sein du RSEP. Ah, mais tout le monde va dire, ah, c'est que on avait dit que le RSEP, c'est un parti nordiste. Tu vois, cela ne va pas amener un rassemblement au sein du parti. Parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'éléments du PDCI qui ont quitté le PDCI pour rejoindre le RSEP parce qu'ils ont espoir, ils espèrent que c'est Kablan Duncan qui sera le successeur d'Alassane Ouattara. Parce que c'est ça, hein? L'accord était là. Kablan Duncan vice-président, Alassane président. Une fois que Alassane prend sa retraite, Kablan Duncan prend la place et s'ils font ça, c'est vrai que Kablan Duncan n'est pas populaire, mais il n'est pas aussi populaire comme Ahmed Bakayoko. Mais s'il est soutenu par tout le parti, je pense qu'il peut gagner. Il peut gagner face à Bédié ou Mais face à Soro là. Kablan, c'est un vieux. Il fait pas partie de la nouvelle génération, n'est-ce pas? Oui, mais bon, il n'a que 75 ans. 75 ans et plus Mais encore, il est c'est mieux que un Bédié. vieux. Babou a combien? Ouais, Le mais. grand Babou a combien? Bawopé, si tu se présenter, hein. Non, je Moi, dis il n'y a il a absolument pas de combien? problème. Parce qu'on veut mettre fin à l'ancienne génération, on veut la nouvelle génération. Donc, quelqu'un qui a Ça, c'est déjà vrai. Écoute. 75 ans, c'est un vieux. On n'a plus affaire à lui. Didier, c'est vrai. Hein? C'est vrai, mais lorsque tu regardes là, ceux qui ont quitté le PDCI pour venir au RHDP, là, il n'y a pas quelqu'un qu'on peut présenter comme ça si ce n'est pas Kablan Duncan. C'est là, c'est lui qui est la tête. Mais pour unifier le parti et pour que ceux qui ont quitté le PDCI puissent rester au RHDP, il faut que ce soit Kablan Duncan. Parce que si jamais c'est un élément du RDR qui est présenté, il y a beaucoup de gens qui ont quitté le PDCI, qui sont venus regarder ce qui se passe au RSGP. Ils risquent de retourner au PDCI. Parce qu'en ce moment, ils vont dire que, ah, on a la confirmation que maintenant, que le RSGP, c'est un parti nordiste. Tu comprends ce que je veux dire? Je vous comprends parfaitement. Voilà. C'est vrai que Kablan, il est vieux, mais il est intelligent. À mon avis, Alassane a 78 ans, mais il est toujours, hein, il détruit le pays. Kablan est grand, il a environ 75 ans, mais bon, il peut faire un mandat. Et ce mandat-là, bon, il peut le faire sans problème. Hein. Il est intelligent, c'est quelqu'un de très, très responsable. Son CV est bien, bien rempli. Je pense qu'il peut faire le travail. Pendant au moins un mandat. Ce n'est pas forcément deux mandats, mais un mandat. Maintenant, après, maintenant, 2025, Ahmed Bakayoko peut venir. Sinon, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'Ahmed Bakayoko, il peut faire vraiment le travail. C'est quelqu'un, il est jeune, il est dynamique, il est populaire, il a beaucoup de projets. Et puis, il sera très facilement soutenu par la première dame et puis par Alassane Ouattara. Ça, c'est vrai. Mais s'il se présente, beaucoup de gens vont avoir la confirmation que le RSGP est un parti nordiste. Sinon, c'est lui, Donc, s'il chez se présente. vous, si Ouais. Ahmed Bakayoko se présente, les Ivoiriens diront que le RADP est un parti des nordistes et non Voilà. un Parce parti que. de rassemblement. Voilà, c'est exactement ça. Parce que, comme Donc, je il disais là, faudrait il y a qu'on beaucoup de gens. mette quelqu'un qui ne vient pas du nord, c'est ça? Et voilà, ça risque, le parti risque de prendre un coup encore. Ce parti-là même risque de prendre encore un coup. Parce qu'il y a des gens là. Je vais te dire quelque chose. Hein. Il n'y a pas moins de 70% des éléments du PDCI qui ont quitté Bédié actuellement pour venir au RGP. Ce n'est pas moins de 70%. Mais il y a un grand pourcentage qui sont venus. Parce qu'ils espèrent que Kablan Duncan va succéder à Alassane Ouattara. Et lorsque Kablan Duncan succède à Alassane Ouattara, parce que Alassane Ouattara il avait promis l'alternance, cette alternance-là, forcément, ça sera un gars de PDCI pour que le parti puisse être mieux unifié. C'est ça. Pour solidifier le parti, ils sont obligés de faire de sorte que ce soit Kablan Duncan. Et je sais que Bédié était au courant que Alassane aime beaucoup Kablan Duncan. Tu Question, comprends? question. Bédié était au courant parce que selon les accords de 2015, c'est un élément du PDCI qui allait prendre le pouvoir. Mais Bédié, à un moment donné, a changé d'avis. Il se disait que non, en réalité, bon, c'est lui-même qui veut se présenter. Voilà pourquoi ils ne se sont pas entendus. Si tu vois que Kablan Duncan a quitté très rapidement Bédié pour rejoindre les RSGP, c'est ça, hein? Parce que je sais que Alassane et Kablan Duncan se sont parlé. Ce sont des gens qui se connaissent il y a longtemps. Ils se sont parlé, mais à un moment donné, Bédié veut gâter tout le plan là. Lui-même, il veut se présenter. Tu vois? Voilà pourquoi Alassane s'est dit que non, ce vieux-là, il faut le mettre hors parce qu'il a d'autres ambitions. Mais, OK.
Nous voulons. Voilà, c'est ce qu'il faut noter. Et puis, regarde, c'est ça que l'élément même que l'élément que Bédier voulait placer en avant là, c'était Assou Kouadio Diallo. Mais Alassane n'aimait pas beaucoup la tête d'Assou Kouadio Diallo. Alassane aimait beaucoup plus Kablan Diakhan parce que c'est quelqu'un qui est calme et puis bon, il a tendance à avoir un peu la tête posée quoi. Voilà pourquoi tu vois aujourd'hui qu'Assou Kouadio Diallo ne suit pas le RHDP parce qu'il a su que normalement c'est lui que Bédier avait placé en avant et Alassane a changé, Alassane a voulu choisir Kablan Diakhan. Ok. Donc cela n'a pas beaucoup plus à ça n'a pas plu à Assou Kouadio. Mais ce que je voulais noter, c'est que Ahmed Bakayoko, c'est vrai que c'est le plus populaire, c'est le seul, c'est l'élément qui est capable, il est à même de gagner face à tout opposant. Il est jeune, il a beaucoup de projets, mais s'il est présenté, si Alassane lui donne le pouvoir, les gens diront que voilà la confirmation. C'est le RDR qui s'est transformé en RGP. Et beaucoup de gars du PDCI qui ont quitté le PDCI pour rejoindre le RGP risquent de repartir au PDCI. Ok, nous vous remercions, Donc, frère. voilà, On vous pour les remercie parties. pour votre très brillante Voilà. intervention. Merci, merci. Ouais. Oh, pour ceux ou celles qui cherchent le numéro est juste sur le titre de la vidéo. Donc, ressortez, ceux qui sont sur le direct qui veulent le numéro, ressortez du direct, regardez le titre, prenez le numéro et revenez sur le direct. Comme ça, vous allez ajouter le numéro sur vos trucs pour pouvoir nous joindre sur WhatsApp et participer à ce direct. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Vous m'entendez bien? Nous vous écoutons. Bon, j'ai appelé pour participer à l'émission. On vous... Parce que actuellement, je suis en train de faire vraiment un sujet vraiment pitoyable. Voilà. On vous Bon, écoute. d'abord, mon nom est. Allô? Mais toi, moi je ne comprends pas. Chaque fois je suis invité. Tu m'entends, non? On vous écoute. Chaque fois je suis ta vidéo, mais j'ai l'impression que. Oui, j'ai l'impression que lorsque tu fais tes vidéos là, c'est pour évoquer des sujets vraiment à la con. Comment toi tu peux expliquer Ahmed Bakayoko est quelqu'un d'idéal, pour diriger la Côte d'Ivoire? Mais moi je Question. ne comprends pas. Toi, tu es là pour favoriser les criminels, les voyous, je ne sais pas quoi. Hein? Et Un d'abord, Ahmed Bakayoko, un voyou, un assassin, quand vous dites c'est pour ça que criminel, vous voulez faire allusion à quoi? À quoi vous faites allusion quand vous dites que on je m'a fais dit la que promotion Ahmed des Bakayoko, c'est un criminels? criminel. Tu sais pas. Avez-vous les preuves? Mais tu sais pas que c'est lui qui a envoyé des bandits. Mais laisse-moi parler. Tu sais pas que c'est lui qui a envoyé des bandits pour aller assassiner le superviseur de Cole de Fou à Bobo là-bas, lors des élections. Qu'est-ce que vous en savez? Comment Avez-vous on les appelle preuves? l'élection là? Avez-vous les L'élection de preuves? mai là-bas, tu ne sais pas ça? Avez-vous les preuves? Écoute-moi, à la Non, justice là, si il vraiment il s'agit n'y a pas de d'apporter les preuves, preuves. Il ne s'agit pas de dire bon, c'est comment tu lui peux l'accuser sur qui quoi a vous vous fouillé? basez. Laisse-moi parler. On vous écoute. Attends, écoute-moi très bien. À la justice là, hein, il arrive souvent d'accuser et de condamner des accusés sans qu'il y ait de preuves. Parce que simplement des témoins ont juste témoigné contre cet accusé-là. Tu comprends? Donc quand tu parles de preuves, tu parles déjà à quoi? Tu penses qu'il va t'envoyer vidéo, photo, bien. Tout le monde sait que c'est lui qui a envoyé des bandits pour aller assassiner le superviseur de Côte d'Ivoire. Parce que quoi, le superviseur allait voir. Avez-vous les preuves? Allait faire Avez-vous les preuves? à la commission électorale. Je vous demande si vous avez les preuves. Mais c'est ce que je te fais savoir là. Mais c'est ce que je te fais comprendre là. Il est le Mais je ne présumé comprends pas coupable. ce que vous me Il est le dites. présumé coupable. Il n'y a pas Quel quelqu'un d'autre qui a présumé coupable? Parce que quelqu'un est mort à Bobo, donc c'est Ahmed Bakayoko, c'est ça? Quelqu'un a tué les Ivoiriens ici. Là, il ne sait pas qu'il a. C'est quel Ivoirien il a tué? Est-ce que vous Mais pouvez nous citer quelques noms? Ahmed Bakayoko, c'est un assassin. C'est un Mais privé de centre. sur quoi vous vous basez? C'est ça, on parle des faits. Il ne s'agit Ahmed pas de Bakayoko. c'est un assassin, c'est un assassin. Ce sont les enfants qui parlent comme ça. Apportez-nous des preuves, monsieur. Est-ce que vous en avez? Si oui, apportez-les. Il ne s'agit pas de... C'est un assassin, c'est un assassin.
Avez-vous déjà vu Ahmed Bakayoko envoyer quelqu'un sur le terrain d'aller assassiner, Écoute-moi. commettre un crime? Monsieur Si oui, Gégé dites-nous, ou Rémi. bien montrez-nous une vidéo. Oui, oui. Monsieur Gégé Rémi. Je vous écoute. En fait, votre problème, c'est que quand on vous parle, vous n'aimez pas comprendre. Mais Je suis en train de vous dire à la justice. Non, écoutez-moi. Oui. Souvent, dans les salles pour dire ça. Il Êtes-vous arrive juge? parfois au Êtes-vous juge. un juge? Oh, laisse-moi parler. Oui. C'est pas comme ça qu'on fait le débat. Je vous Il y a écoute. des gens qui nous écoutent absolument. Donc, soyons disciplinés dans nos paroles. OK? Oui. Laissez-moi parler et puis vous allez parler. On vous écoute. Après, vous me dites qu'il y a trop fait du temps pour me raccrocher. Laissez-moi parler. Je Je suis en vous train de vous écoute. dire. Souvent, dans les salles d'audience, il arrive au juge de condamner les accusés alors qu'il n'y a pas de preuves. Mais juste parce que ces accusés-là n'ont pas arrivé à satisfaire comment dire, les doutes des juges. Allô? 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 C'est ce que j'ai dit là. Souvent, les juges, ils prennent acte des propos de certains témoins pour condamner l'accusé. Est-ce que tu me comprends? Oui. Voilà. C'est pas pour moi, s'il n'y a pas preuve qu'on ne peut pas te condamner. Tu comprends? Donc là, moi, je suis en train de dire que c'est Ahmed Bakayoko qui a assassiné, il vient assassiner le superviseur de Kone Tefou là. Hein? Ce n'est pas une phrase en l'air. Il est le présumé coupable. Parce que lui-même, de nature, c'est un assassin, c'est un voyou. Mais quand vous Est-ce que tu dites comprends? de Il peut nature il est s'attendre à faire, assassin, il y a voilà. pas. Mais c'est sûr ça, on ne s'attend pas. Quand on vous demande Pourquoi c'est d'apporter pas les toi preuves, qui vous m'as dites dit non, pourquoi il est c'est le pas toi présumé qui m'as coupable. dit Ça veut dire que vous n'avez Je aucune vais te preuve, poser une vous le question. soupçonnez, mais sans apporter des preuves. Donc, vous savez que ce que vous êtes en train de faire, ça peut vous coûter cher. En train d'accuser des gens sans preuve. Je vous remercie. On vous écoute. Donc, on attend les différents appels. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oh, on vous écoute, mais est-ce que vous pouvez un peu parler plus fort si possible? Bonsoir, comment allez-vous? Comment Oh, allez-vous? nous allons bien, nous allons bien. Et chez vous? Très bien. Ah, Dieu merci. Alors, nous vous écoutons, frère. Ouais, ça participe à l'émission, quoi. On vous écoute. Bon, voilà ce qui se passe. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que actuellement, ce que vous faites là, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Ce que vous voulez savoir, ce que je fais, qu'est-ce que je vois là-dedans, c'est ça? Oui, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes en train de participer à le blanchiment de la vérité en Côte d'Ivoire ou bien qu'est-ce que vous faites au fait? Mais Bien ça, oui. c'est à vous de nous dire ce que je suis en train de faire. Vous êtes. Non, non, non. Je suis en train de vous demander. Je suis en train de demander qu'est-ce que vous êtes en train d'amener au fait? Vous faites des trucs. Quel autre truc? C'est quoi qui n'a pas de nom? Quand vous dites ce que qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je contribue à l'épanouissement du peuple ivoirien? Pourquoi vous posez cette question? Et qu'est-ce que j'ai fait qui ne profite pas à ce peuple, qui ne fait pas épanouir ce peuple? Dites-nous un peu. Vous êtes bien placé, donc on vous écoute, frère. Oui. Est-ce que tu joues pas avec la politique ivoirienne? Est-ce que tu en profites pas? Est-ce que tu profites pas de ce qui se passe pour te faire de place? Je sais pas, qu'est-ce que tu as Profitez, fait? on vous attend, expliquez-nous, parce que les gens, ceux qui nous regardent, les auditeurs et auditrices, ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de dire. Ils n'arrivent pas à vous cerner, ils ne cernent pas bien vos propos. Qu'est-ce Expliquez-nous. que c'est qu'est-ce que vous proposez à Ahmed Bakayoko comme vous proposez ce que vous faites parce que vous nous proposez aujourd'hui jouer comme disons l'envoyé spécial de Ahmed Bakayoko sinon quoi de nous présenter Ahmed Bakayoko comme le candidat idéal du peuple ivoirien ce que je n'arrive pas à comprendre vous Mais là vous
C'est à vous de nous dire, c'est à vous de nous dire que ce n'est pas un candidat idéal et pourquoi il ne l'est pas. À vous de donner des arguments. Il ne s'agit pas de dire pourquoi j'ai présenté Ahmed Bakayoko comme candidat idéal et que vous n'êtes pas d'accord. Mais vous n'êtes pas d'accord pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Apportez des arguments, frère. Je ne te dis pas que je ne suis pas. Moi, je ne te dis pas que je ne suis pas d'accord. Mais de quoi vous vous plaignez? Disons, l'interlocuteur qui t'a parlé tout à l'heure, là, qu'est-ce qu'il t'a dit? Le monsieur, il a bien parlé. En novembre, vous vous demandez que vous acceptez que le président Alassane puisse représenter. C'est ce que vous avez dit. On vous écoute, frère. Non, je crois bien que... Mais j'ai déjà expliqué cela, donc j'espère que si vous avez écouté l'intervenant, c'est que vous avez aussi écouté mes arguments. Donc on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut pas faire la répétition. Non, je ne dis pas que tu dois répéter, mais je suis en train de... On ne peut pas, comment je comprends, hein, on peut pas faire la répétition. Qui est acheté, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux de... La politique foraine, tu peux te faire une place. On peut te donner vraiment cette place-là que tu désirais depuis. Parce que vous avez joué le jeu avec la. Mais de quelle base vous... Bon, ok. Frère, nous vous remercions infiniment pour votre très brillante intervention. On vous remercie infiniment. Mais vous ne représentez pas vraiment la vérité, quoi. Vous ne dites pas la vérité. Mais c'est moi, quoi qui est la vérité? Puisque vous êtes en ligne, que vous représentez la vérité, que moi je représente le mensonge, apportez la vérité aux Ivoiriens. Mais vous, vous êtes incapable d'apporter la vérité aux Ivoiriens. Pendant ce temps, vous m'accusez. C'est un peu bizarre quand même. Bon, comme vous dites que je ne représente pas la vérité, et vous aussi, vous êtes incapable de représenter la vérité, peut-être on va passer à d'autres personnes qui... Elles pourront représenter la vérité. Pourquoi pas? Beaucoup nous attendent et ils veulent intervenir. On vous remercie infiniment pour votre très brillante intervention. Allô, bon, on vous écoute. Nous vous écoutons. On vous écoute. Allô? Allô? Ouais, allô, bonsoir, M. Didier. Oh, bonsoir, frère. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien, et chez vous? Oh, nous allons bien, par la grâce de Dieu. On se prépare. Ok, en tout cas, j'appelle pour intervenir dans votre émission concernant le thème. On vous écoute. Et j'aimerais faire ressortir une petite remarque d'entrée de jeu. Laquelle? Il faut dire que tous les pro-atos qui appellent, ou du moins tous les militants du RHDP qui appellent actuellement, ne s'attaquent pas au sujet. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients eux-mêmes. Il y a une réalité que les gens refusent de mettre au jour, mais qui est sûre de tous. Eux-mêmes sont conscients que si Alassane Ouattara ne se présente pas, ça sera un échec. En tout cas, un échec total pour le RHDP. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'occasion de chute ou d'occasion pour que le RHDP puisse sortir sa tête de l'eau. C'est actuellement sur la scène politique. Parlant du RHDP, c'est Alassane Ouattara qui est le seul candidat à même d'inquiéter Bédier ou Soro, ou du moins même l'opposition dans sa généralité. Alassane Ouattara seul. Si Alassane Ouattara ne se présente pas, qu'il présente Ahmed Bakayoko ou quelqu'un, le RHDP va perdre. Quels que soient les deux candidats, si c'est Ahmed Bakayoko ou quelqu'un, sur quoi vous vous basez pour tenir ce genre de propos? Ok, maintenant je vais argumenter mes propos. Alassane Ouattara, mine de rien, il a encore un soutien. C'est vrai qu'actuellement, avec le retrait de Soro Guillaume, il y a certains partisans nordistes, en tout cas que Alassane Ouattara a perdu. Cependant, il y a des personnes du RHDP qui se reconnaissent toujours à Alassane Ouattara. Et quand je parle du RHDP,
c'est y compris certaines personnes même du PDCI qui se reconnaissent toujours à Alassane Ouattara. Mmh. Et il y a encore un grand groupe du RDR qui se reconnaît à Alassane Ouattara. Mmh. Donc, sur cette base, je ne dis pas que Alassane Ouattara va gagner les élections, mmh. mais Alassane Ouattara sera le meilleur candidat du RHDP. Mmh. Maintenant, si Alassane Ouattara veut passer, en tout cas la place à la jeunesse, mmh. et qu'il prend, disons, mais qu'il prenne Guécan a une forte chance que l'autre, Ahmed Bakayoko. Sur quoi vous basez? Si Guécan devrait faire 42%, Ahmed Bakayoko, lui, va faire 23%. Mmh. Vous comprenez? Parce que Guécan, comme le précédent, mon prédécesseur venait de le dire, il y a des personnes qui ont quitté le PDCI et est entré dans le RHDP Parti Unifié parce que pour eux, il y aura une alternance. Mmh. Mais quand on parle d'alternance au RHDP, on voit des camps. Donc c'est pour cela que j'ai quitté le PDCI pour aller au RHDP. Allô, on ne vous attend pas, on ne vous attend pas. Est-ce que vous pouvez régler votre micro? Ok, vous m'entendez bien maintenant. Exactement, parfait. Parfait. Ok. Donc je disais, si il s'avère mmh. que c'est Ahmed Bakayoko qui est le candidat du RHDP, mmh. automatiquement ceux qui ont quitté le PDCI pour entrer dans le RHDP Parti Unifié seront très découragés. Mmh. Et il y aura un autre scénario de dernière heure qui va se produire. C'est-à-dire tout cela vont repousser chemin et entrer dans le PDCI de Pédier. Mmh. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, le Guécan est bien parti mmh. que Ahmed Bakayoko. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que Guécan va gagner les élections. La seule personne, comme je le disais, mmh. qui a même inquiété sur Guillaume et Pédier, c'est Alassane Ouattara. Mmh. À part lui, dans le RHDP actuellement, il n'y en a pas. Et les militants du RHDP, eux tous, ils sont conscients de ce fait. Mmh. C'est pourquoi tous ceux qui venaient d'appeler là, mmh. ils n'étaient pas d'accord avec vos propos. Parce qu'ils savent que si Alassane ne se présente pas, mmh. le RHDP a échoué, a priori. Mmh. Est-ce que vous voyez? Parce que. Donc, vous voulez nous dire. Vous voulez nous dire le jour. Ne savent pas, le jour. Une très grande plateforme. Et allô. Le FPI, que ce soit la dissidence, comme le parti officiel du FPI, tout cela va rentrer dans la plateforme. Donc, ça sera une grande coalition à l'opposition, dans l'opposition. Et là, il va falloir avoir quelqu'un de taille. Ahmed Bakayoko, de vous à moi. Ahmed Bakayoko, c'est mairie, même la mairie, là, n'a pas pu gagner ici. Il a fallu qu'il y ait un peu de trucage pour qu'il puisse imposer à qu'est-ce que moment. Vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Non. Bon, je vous donne des preuves. Vous êtes au moins conscient qu'Ahmed Bakayoko a partagé des billets de 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 pour qu'on soit des élections puissent être élus. Question. Mais s'il a, s'il a les moyens, si, c'est parce qu'il n'était pas convaincu. Qui a les moyens? S'il a les moyens et que le peuple souffre. Il a eu à partager les billets. Mais donner l'argent à quelqu'un, c'est un crime. Non, mais donner l'argent quand tu es convaincu, tu n'as pas besoin non, de donner l'argent. Non, est-ce que donner l'argent à quelqu'un est un crime? Non, travaille à ta place. Non, mais s'il a donné l'argent aux gens, est-ce que c'est un crime? Il a donné aux gens qui ont faim. Non, il a, Dieu dit donne. À ceux qui n'en ont pas. Donc aussi, il a donné okay. à la population d'Abobo qui, elle, avait besoin de cet argent pour pouvoir se nourrir. Est-ce que c'est un crime? Au contraire, Dieu va le bénir. Est-ce que donner de l'argent à des gens, là, c'est un crime? Non, vous voulez dire qu'Ahmed Bakayoko est généreux. Mais lorsqu'on est généreux, on n'attend pas à la porte des élections pour pouvoir faire écoutez, chaque chose a son temps. On part à l'école, mais c'est un jour, on passe l'examen. Donc, pour passer l'examen, on attend toujours un jour pour passer l'examen. Donc, on partage l'argent, on attend toujours un jour pour pouvoir partager l'argent. Donc, lui, il partage son argent au jour de... Donc, vous comprenez. Je ne fais pas de diversion, mais c'est pour vous dire, toujours, il y a un jour, on est un jour, on passe l'examen un jour. Vous comprenez? On devient président un jour. C'est pas tous les jours qu'on devient président. C'est pas tous les jours qu'on est. C'est pas tous les jours qu'on mange. Il y a des jours on mange, il y a des heures même qu'on mange. Il y a des jours on partage de l'argent. Donc si Ahmed Bakayoko veut partager de l'argent et qu'il trouve bien que le moment de partager l'argent, c'est ce sont les jours des élections, mais il partage. Est-ce que c'est tous les jours on va à l'église? Ce sont les dimanches.
On fait les quêtes. Non, Donc, monsieur, les prêtres et les pasteurs monsieur. Ont choisi les dimanches. Les fidèles aussi ont choisi les dimanches pour donner des quêtes. Ou bien des trucs à leurs représentants de Dieu. Donc, vous comprenez. Je comprends votre propos, monsieur. Ah, voilà. Donc, c'est clair. On vous remercie. N'empêche que entre M. Dekan et M. Amel Bakayoko, celui qui a la popularité, c'est M. Dekan. Et celui même qui est présidentiel, c'est M. Dekan. Ahmed Bakayoko, il peut faire du tape à l'œil. Sur quoi vous vous basez pour dire l'autre est présidentiable, l'autre ne l'est pas? Lui qui est populaire, c'est l'autre. Et l'autre n'est pas populaire. Mais ça saute à l'œil nu. On n'a pas besoin de faire. Donc, dites-nous à quoi Kablan Dekan a participé en Côte d'Ivoire pour connaître son poids politique, pour dire qu'il est populaire. Quelle popularité il a? En définitive, ce que je veux dire, c'est M. Alassane Ouattara qui est le seul potentiel candidat du RHDP. Si lui, il ne se présente pas, le RHDP, il est mort totalement. Je vous remercie. On vous remercie. On attend les suivants. C'est très important. Allô? Voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, je parlais et puis on a été coupé par le réseau. Bonsoir. Oui, on a été coupé par le réseau. Ok, on vous écoute. Voilà, donc je peux continuer, non? Nous vous écoutons. Voilà. Donc c'est ce que je disais. Voilà, c'est ce que je disais. On vous écoute. Apparemment, le réseau est mauvais de votre côté, frère. Parce que toi, tu sais très bien que avec Bakayoko, c'est pas quelqu'un sur qui on peut compter. Tu sais que c'est un monsieur qui est responsable, qui n'est pas discipliné. Avec Bakayoko, c'est un corrompu. Tu as bien vu les discours qu'il a tenus. Sur quoi vous vous basez pour dire qu'il n'est pas discipliné? C'est quoi? Où il a été indiscipliné? Pour que vous puissiez avancer ces gens de... Oui, je vais t'expliquer. Pourquoi je te dis que ce n'est pas quelqu'un qui est discipliné? Sur quoi vous vous basez? Voilà, répète-moi au discours qu'il a fait pendant sa campagne à Bobo là-bas. Quel discours? En pleine campagne. Il y a des discours de campagne. Oui. Élection de mairie. Les discours qu'il a fait, c'est le discours de menace où il a corrompu des électeurs. C'est quoi vous appelez discours de menace? Répétez ce, relayez ce même discours de menace, tous les Ivoiriens vont écouter. C'est quoi vous appelez discours de menace? Mais il a menacé, mais lorsqu'il. Il a menacé qui? Mais il ne s'agit pas de dire il a menacé, mais c'est en quoi disant? Lorsqu'il a parlé des prisonniers en survie là, ça c'est parole de menace, c'était envers Jean-Jacques Ewo, le candidat du plateau là-bas. Il a même menacé qu'on est fou. Il a traité tous des prisonniers en style. Tu te rappelles? Il a fait des vidéos et il a fait des discours où il dit que si tu rencontres un policier dans la rue là et qu'il t'arrête, il faut lui dire simplement que tu connais Ahmed Bakayoko pour qu'il il te laisse partir. Ça, c'est pas des discours. Donc, ça pour vous, ce sont des discours de menace. Attends, tu me laisses parler. Toi, c'est ton problème qui est là. Non, mais toi, je vous laisse parler. On vous écoute. C'est pour ça, à un moment, moi, je n'appelais plus là. Mais quand quelqu'un est en train de donner son point de vue, tu lui poses une question en même temps pour l'embarrasser, pour le mettre dans ses arguments. Ce n'est pas comme ça qu'on fait un débat. Tu me laisses parler, puis après, si tu dis ça, tu poses tes questions. On vous écoute. Moi, je te disais que Bakayoko, c'est un voyou. En période de campagne, il n'avait pas de programme, il n'avait pas d'idéologie politique. Le discours était basé sur la corruption et du mensonge. Et un discours où il a fait à Bobola, il a dit que lui, dans le conseil des ministres, maintenant, ce conseil des ministres, le ministre de l'Intérieur a décidé de distribuer des véhicules de police au commissariat à Bobo. Et à la fin de ce conseil des ministres, il a tapé le maire du ministre de l'Intérieur pour lui dire il y a combien par Bobo dedans. Tu vois ce genre de choses-là. C'est un affabulateur, c'est un blagueur. Tu comprends? Moi, je suis en train de te tailler. Je suis en train de te faire comprendre parce que c'est une personne idéale. Moi, je suis en train de te montrer que ce n'est pas une personne idéale. Okay? C'est quelqu'un qui des gens lorsqu'il fait ses discours, lorsqu'il tient ses discours,
ses campagnes, il a corrompu. Il allait mettre dans une église, là. Il a donné plus de 2 millions. Mmh. Parce que quoi? Parce que quoi? Il veut qu'on les vote. Et ce genre de personnes-là, ce genre de personnes, ce ne sont pas des personnes dignes. Ce ne sont pas des personnes de dignité qui peuvent diriger un pays. Voilà ce qui vient de faire comprendre. Et puis, ce n'est pas seulement ça. Abel Bakayoko a même contribué pour l'assassinat de Désiré Tagro. Ça, tu ne le sais pas. Mais moi, je te dis, il a aussi contribué à l'assassinat de Désiré chef Ibo. Sur quoi vous basez, vous, c'est vous qui divaguez, vous voyez, ce que vous êtes en train de dire, vous ne vous appuyez pas sur quelque chose, mais vous inventez des choses pour annoncer ça aux gens. Mais tu sais, à travers les tout ce que vous affirmez ici, ce sont des inventions, c'est l'émotion qui fonctionne en ce moment. On parle des faits, nous ne parlons pas d'émotion, s'il vous plaît. Écoute-moi. Oui, on vous écoute. Écoute-moi. Oui. Écoute-moi. En fait, tu le sais. Quand tu es en Belgique, moi, j'ai habité ici. Mmh. Et puis, nous, là, hein, mmh. On a des parents qui sont de la rue. Mmh. Donc, quand on parle là, quand on parle, on sait de quoi on parle. Mmh. Moi, je vais m'élever pour tenir des propos. Un parent étant de l'armée, ça justifie que vous connaissez tout, en fait, c'est ça? Ça justifie votre connaissance. En fait, à tous les niveaux. Si tu veux continuer dans cette démarche-là, ce n'est pas une démarche. On parle des faits. Il ne s'agit pas de dire mon parent est militaire ou bien policier ou gendarme. Donc, cela vous donne le droit de dire n'importe quoi. S'il vous plaît, apportez des arguments. Des arguments basés sur des faits, s'il vous plaît. Sur des faits. Il ne s'agit pas d'argumenter dans le vide, mais argumenter en vous basant sur des preuves, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Écoute-moi. Oui, on vous dit. Tu peux aller trouver la vidéo sur YouTube. Dans un discours où il a fait une corrompre une dame là. Il a dit dans ce discours. Attendez, donner l'argent à quelqu'un là, chez vous là, c'est la corruption. Vous n'avez jamais fait de don à quelqu'un? Non, je veux savoir. Vous n'avez jamais fait sortir une pièce dans votre poche pour donner ça à quelqu'un qui a fait? Oui. Attends. Mon ami, écoute-moi, mon ami, quand on est une personne digne, quand tu fais la politique, quand tu es candidat là, hein, fait que il faut les séduire par tes arguments, par ton discours, par ton programme, par tes projets de société. Vous ne l'avez pas remarqué, en train de séduire les gens par ses arguments, en train de convaincre les gens par ses arguments. Qui vous a dit que c'est en donnant l'argent qu'il a séduit les gens? Écoute-moi, on ne peut pas appeler quelqu'un. Vous savez, vos propos. C'est... Non, c'est une injure. Vos propos sont des injures à l'encontre du peuple ivoirien. C'est-à-dire, vous êtes en train d'affirmer que le peuple ivoirien est idiot, le peuple ivoirien est ignare, le peuple ivoirien est je ne sais pas. Vous traitez le peuple ivoirien d'une bande d'inconscientes parce que en disant devant cette caméra et depuis votre micro, que pour être voté, il suffit de donner un petit billet de francs CFA et paf, on te vote. Parce que ce peuple n'est pas cultivé. C'est ce que vous êtes en train d'affirmer. Mais vous ne vous écoutez pas. Non. Mais je suis là vous dire vos propos là, ce que ça veut dire. Donc, les inconscients, c'est les militants du RAV. On vous remercie. Je parlais. Ça y est, j'avais pas fini de parler. Hein. T'as parlé de mes arguments. Maintenant, tu me dis, on vous remercie. Tu viens me couper. Ce dont j'ai appelé, j'ai parlé. Attendez, vous avez parlé plus de 15 minutes. Tu as pris mon temps. Tu as parlé. Maintenant, tu me dis. Je n'ai pas pris votre temps. Je vous ai. Mais tu as pris mon temps. Moi, tu me laisses parler. Puis après, si j'ai dit, j'ai fini, tu me coupes. Ou bien. Je suis en train de parler, tu me bloques, et puis toi-même tu argumentes. Et puis maintenant, tu me dis non, on vous remercie. C'est pas comme ça on fait. Mais laisse-moi aller au bout de mon sujet. Maintenant, tu vas me couper maintenant. Alors, attention, donc, j'ai appelé pour parler là, je n'avais pas encore fini de faire ça. Vous pouvez rappeler pour boucher, hein? Pour boucher le trou. Vous pouvez rappeler. De boucher le trou, comment c'est ça signifie quoi? Non, pour finir vos propos. De rappeler après. Oui, vous pouvez rappeler, on est y là. Il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. Ok, on est ensemble. Allez, merci infiniment pour votre brillante intervention. Allez, on est là. Allô? Allô? Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir Didier, comment tu vas? Ah, nous allons bien chez vous. Ça va. En fait, j'appelle pour juste intervenir sur une remarque que je fais aussi. Hein. Tu sais, nous sommes tous des intervenants. On suit la plupart du temps des directs, pas parce qu'on n'a rien à faire, mais parce qu'on veut essayer de échanger un peu sur la vie politique du pays, essayer d'avoir des infos et tout. Oui. Mais le gars, il est en train d'intervenir. Toi, la plupart du temps, quand les gens ils interviennent, tu as tendance à mettre fin quand ça ne t'arrange pas. C'est comme si tu es un parti pris. Quand tu fais ce genre de truc-là, faut être vraiment impartial. Faut pas être Mais partial je n'ai pas à pris de moins parti. voter, ou bien dire, quand, non, laisse-moi parler. On quand vous les écoute. gens, quand les gens argumentent, tu dis à tout moment, non, vous vous basez sur quel fait. Quand toi, tu donnes des trucs-là, souvent, tu dis des contre-vérités. Mais toi, tu te bases sur quoi? Pour donner ces Question. vérités-là, tu te bases sur quoi? Question. Mais la même manière que tu te bases sur ces informations, par exemple, tu n'es pas Abidjan, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu as des échos. Donc, c'est de cette même manière-là, les gens aussi, ils ont des échos et puis ils développent. Mais quand d'autres personnes développent, toi, tu trouves que c'est qu'eux, ils sont en train de vivre, là. Toi, ça ne t'arrange pas, vous vous basez sur quoi? Mais non, on peut pas être un modérateur d'un débat ou bien d'un direct et puis juger comme toi tu juges. Non, je suis désolé. Il faut que je te le dise, je suis désolé. Il faut être vraiment un bon modérateur. On vous écoute. Faut être juste. Hier, par exemple, tu as dit, Bago, il paraît-il qu'il a donné, il est en train de divorcer. Toi-même, tu es en Europe ici, là. Ici, en Europe, quand tu es en Europe ici, quand tu es marié à Abidjan pour aller divorcer, il faut que tu sois sur le terrain là-bas pour aller divorcer. Mais c'était des faits que tu étais en train de raconter. Mais qui s'est plaint? Toi, tu enlèves tes informations là-haut. La manière tu mets les grands titres là, quand les gens ils viennent exposer pour pas leur demander où ils enlèvent ça. Parce que toi aussi, là, quand tu demandes où tu enlèves ça, tu as des informations sociales. Est-ce que tu as des renseignements généraux? Ce n'est pas du renseignement généraux. Donc chacun de nous est libre de développer. On peut ne pas développer. Moi, je dis toujours, on peut ne pas partager la même opinion. On peut ne pas partager les mêmes idées. Mais on est là pour débattre. Pour argumenter, on n'est pas là pour s'insulter ou bien comme les gens mettent libère le tabou et tout des signes là. Non, on n'est pas là pour ça. Mais en même temps que toi tu as des infos, on peut avoir aussi des comptes, des comptes infos contre toi. Pour te dire non, Didier, ce que tu es en train de dire là, c'est pas juste. Mais toi, dès que quelqu'un est en train de développer, quand ça ne va pas dans ton sens, automatiquement, non, vous enlevez ça, sur quel bas vous fondez, non. On peut ne même pas partager les mêmes opinions, mais il faut qu'on soit logique. Et toi, tu es le modérateur de ton direct. Il faut que tu sois vraiment impartial. C'est pour ça que j'ai appelé. Le reste, je continue de suivre, quoi. Au revoir. Nous vous remercions infiniment pour votre très brillante intervention. Alors, en vous écoutant, pour ceux qui aimeraient bel et bien intervenir. Bon, d'autres me reprochent des choses que je ne fais pas. Ils disent que j'ai un parti pris. Ce n'est pas histoire du parti pris. Mais ceux qui appellent aussi, remarquez-les. Quand ils appellent, ils s'attaquent à moi directement. Est-ce que vous comprenez? Parce que le président, l'avant-dernier, quand il appelait au début, il s'est attaqué à moi en fait. Non, c'est à moi. C'est à moi, il s'est adressé. Voilà pourquoi je lui posais des questions. Non, ce n'est pas une histoire de parti pris. Lui, il est sorti du débat. Il était là m'affronter. Il était là me contredire. Il était là me taper dur, en fait. Voilà pourquoi je lui posais les questions. Sinon, s'il était dans le débat, mais je n'allais pas lui poser toutes ces questions. Mais il est sorti du débat et j'avais l'impression que le débat qui est là, il était hors du débat. Toutes ces paroles, c'était à mon égard, c'était pas à l'égard de qui que ce soit. Voilà pourquoi je lui posais des questions. Donc, vous qui êtes là assistés, soyez prudents, remarquez ceux qui appellent et à qui ils s'adressent. Il a intervenu dans le but de m'humilier en fait. Vous comprenez? Donc, j'étais obligé de lui reposer des questions. Et quand je fais ça, vous dites, non, j'ai un parti pris. Non, c'est pas ça. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Didier. Oui, bonsoir. Yeah, ok. Vous m'écoutez en direct, là? Oui, nous sommes en direct. Ok, merci beaucoup. Alors, moi, je m'appelle Issa Silla. J'habite ici, actuellement, c'est à Atlanta. Ok, j'appelle pour intervenir. Est-ce que vous pouvez un peu parler plus fort, si possible? Ok, je me nomme Issa Silla, j'habite
à Atlanta, précisément aux États-Unis. Et j'appelle pour être évité votre direct. Ok, on vous écoute. Vous m'entendez? Oui. Ok. Dédé, vous habitez en France, n'est-ce pas, actuellement? Hmm? Ok. So, vous connaissez l'agence de notation, les l'INSEE, s'il vous plaît? C'est une question. J'ai... Je ne suis pas aux États-Unis. Non, non, en France, l'agence de notation qui dit la France est telle, la France est telle, l'INSEE. En France, vous connaissez ça, n'est-ce pas? Je ne connais pas bien la France, au moins. Okay, ce n'est pas mon pays. Okay, bon, je vous dis, j'arrive. Mm-hmm. Je vous dis que dans cette croissance, si cette institution dit que la croissance est telle croissance, est-ce que Macron peut se lever et contredire cela? Non. Ok. Question. Quand vous dites que Alassane est présidentiable, quand vous dites qu'Alassane est présidentiable en 2020, ok, Alassane est présidentiable en 2020, eux-mêmes, si c'est pas Congo sur Africa Vega dit que Alassane ne peut pas se présenter en 2020, je dis, est-ce que là il n'y a pas une contradiction? Question. Si celui-même qui écrit la constitution, dit que Alassane n'est pas présentiel, et vous venez sur votre plateau, dit que Alassane est présentiel en 2020, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quelque part? Oh, est-ce que vous pouvez débrancher vos écouteurs pour parler à haute voix sans écouteurs? Oui, parce que... Ok, j'ai pas d'écouteurs actuellement. Donc vous m'attendez maintenant. Ok, ça je va. Ok, ça va. Je dis, si c'est pas Congo, celui-là qui a écrit la nouvelle constitution, dit que Africa Africa dans un interview, dit que Hassan Dahlan Ouattara n'est pas présentable en 2020. Aujourd'hui, on peut poser la question, dit non, il n'est pas présentable en 2020. Et toi, sur ton direct, tu viens de dire qu'Alassane est présidentiel en 2020, DJ. Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction quelque part? Si c'est Bakongo, c'est quoi en Côte d'Ivoire? Si c'est Bakongo, il y a... Je vous demande, qu'est-ce qu'il est en Côte d'Ivoire? Moi, je sais, selon mes informations, il a contribué à la nouvelle constitution, à établir la nouvelle constitution. Je vous demande, qu'est-ce qu'il est? Il a contribué... Je vous pose la question maintenant. Non. Le fait de contribuer à une nouvelle constitution ne veut pas dire qu'on maîtrise toutes les lois ivoiriennes. Est-ce que... Ah, il met... Ok. Voilà, donc ne vous fiez pas à ses propos. Ok. Alassane, il est un économiste. Alassane, on connaît tout le droit que lui qui est un docteur en économie. Alassane, il s'est informé auprès des juges. Capable. Oui, parce que c'est pas n'importe quel juge. Voilà. C'est pas chez n'importe quel juge on prend des informations. Il s'est renseigné auprès des vrais juges et des vrais avocats, des hommes de droit qui lui ont dit oui, monsieur le président, vous êtes présidentiable encore en 2020. Il y a combien de personnes écrit la nouvelle constitution? C'est vous pour la question maintenant. Question. À vous de répondre, c'est vous qui êtes venu sur une nouvelle constitution. Ceux qui ont écrit. Deux personnes qui ont écrit la constitution. Deux personnes qui ont écrit la constitution. J'ai oublié le nom de l'autre, mais le premier est assisté par Congo. Il est même en position même de dire, il a écrit, puis ça fait des années, il a dit, Alassane n'est pas présent en 2020. Dédé, toi et moi, si un docteur Chou, un économiste de Wall Street vient me dire, vous savez, me dit, ah, la procédure, combien de pourcentages aux États-Unis? Moi, je ne suis pas là-bas, tu vois. Je ne veux pas qu'on te dise ce truc. Ben, c'est lui qui travaille là-bas, c'est lui qui connaît les failles. Je veux savoir si Cissé Bakongo est un juge. Il n'est pas un juge. Est-ce que c'est sur les juges? C'est un avocat. C'est un avocat. Non. C'est sur les juges qui écrit la constitution. Non, je viens. C'est un avocat. Je viens. Est-ce que c'est un avocat? Avocat? Non, ce n'est pas un avocat. Est-ce que c'est un homme de droit? Ah, bien sûr, c'est un homme de droit. C'est un homme de droit. Et... Docteur en droit, yes. Je vous écoute. Ah, il est docteur en droit. Yes. Et c'est lui-même qui a avoué qu'il a écrit la constitution ivoirienne, c'est ça? Yes. Ils ont écrit la constitution ivoirienne. C'est lui-même qui a dit sur Africa Vegan, dans un interview. Ok. Et il a dit Alassane n'est pas présidentiable. Il n'est pas présidentiable. Ils ont posé la question. Et le journaliste a été très bien clair, monsieur. Je vous ramène une autre question. Est-ce que le fait d'être docteur en droit signifie qu'on maîtrise tous les droits de la tous les droits de la Côte d'Ivoire? Non. Être docteur en droit, mais dans quel droit? Il peut apprendre les droits américains, les droits français, mais cela ne veut pas dire qu'il a appris les droits ivoiriens. Cela ne veut pas dire qu'il maîtrise les lois ivoiriennes. Être docteur en droit ne veut pas dire qu'on maîtrise toutes les lois de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît.
Ça dépend de là où il a étudié. C'est là-bas. Vous pouvez laisser parler. Oui, on vous écoute. Ok. Ok. Si moi j'écris une des choses, par exemple, une constitution, moi avec un patron, j'écris une constitution. Une constitution, ce n'est pas deux pages, c'est quatre pages. Tu vois, non? On prend les anciennes de l'ancienne constitution pour compléter. Si on veut modifier tout, on prend l'ancienne constitution pour compléter le nouveau, sur la nouvelle constitution. Ce qu'ils ont fait normalement, ils n'ont pas tout changé. Lui-même l'a dit que la nouvelle constitution ne parlait pas tout de l'ancienne constitution. Si moi, je regarde bien les vidéos ici. Il a dit que la nouvelle constitution ne parlait pas. Et sur quoi il s'est appuyé pour tenir ce genre de propos? Il s'est appuyé sur quoi? Est-ce que en parlant, il a cité des articles, des lois? Il s'est appuyé sur les différentes lois de la constitution. Il a cité des lois? Il a cité les lois. Et quelles sont ces lois qu'il a citées? Est-ce que vous pouvez nous les citer en direct? Vraiment. C'est pas, okay. les gens mais non, il ne s'agit pas de tenir des propos. Okay. Non, si c'est Bakongo a dit ceci, si c'est Bakongo a dit cela. Être docteur en droit ne veut pas dire maîtriser toutes les lois. Vous basez sur quoi pour Alassane Ouattara? Moi, j'étais à Boaké pendant la crise. Je sais tout ce qui s'est passé là. Est-ce que être à Boaké pendant la crise avait dit vous connaissez les lois ivoiriennes? Je vous dis, vous basez sur quoi? Non, non, non. Quand vous dites vous étiez à Boaké là, ça signifie quoi? J'étais à Boaké pendant la crise et puis quoi? Est-ce que quelqu'un qui résidait à Boaké veut dire qu'il maîtrisait tout? Non, c'est pas fait. Non. En fait, je vous dis maintenant, c'est juste un plus. C'est juste un plus pour dire. Oui. Moi, je suis un enfant de Boaké. Ok. Et puis, je vous ai un enfant de Boaké veut dire quoi? Non. C'est pas parce que vous êtes enfant du Boaké que vous connaissez tout, frère. Vous basez sur quoi? Vous basez sur quoi? Question. Vous basez sur quoi? Question. Vous êtes là-bas, vous connaissez la constitution, vous basez sur quelle loi? Mais tout est clair. Tout est clair. Alassane a été clair sur les plateaux de télé. Et vous n'avez pas été capable de le contredire pour dire Ouattara, vous n'êtes plus. Mais c'est. Oui? Mais Alassane, il sait qu'il veut abuser. Si Alassane se présente en 2020. Mais s'il se présente, c'est qu'il y a une loi qui lui accorde cela. Maintenant, vous basez sur quoi pour dire qu'il ne peut pas? Il n'y a pas de loi qui accorde à cela. Mais pourquoi, lorsqu'il déclarait cela, pourquoi vous n'avez pas fait sortir les lois qui interdisaient cela à Alassane? Pourquoi vous êtes resté muet? Mais vraiment, ce n'est pas la peine quoi. Okay, c'est pas la peine comment? Le monsieur, il affirme aux yeux du monde entier. Vous savez que c'est impossible et que les règles, les lois ivoiriennes ne permettent pas cela. Mais vous êtes resté muet. Et c'est ici, vous venez pour dire c'est faux, c'est faux. Pourquoi n'avez-vous pas démenti ça sur une autre chaîne en donnant des arguments, hein, des contre-arguments de ce que Ouattara venait de déclarer? Moi, je suis juste un seul habitant. Moi, je ne vais pas laisser un bateau de télé comme ça. C'est mon temps. Mais sur quoi vous vous basez pour dire c'est faux? Sur quoi vous vous basez? C'est pas Congo, c'est un homme de droit. Mais il est même plus. Moi, je ne vais pas laisser une place. Donc, c'est que si c'est Bakongo dit là, tout est vrai. Donc, non, je viens. Si c'est Bakongo qui disait que Gbagbo a tué là, donc. Si vous pensez que Cissé Bakongo est un homme de droit et tout ce qui sort de sa bouche est véridique, alors ce même Cissé Bakongo que vous approuvez tant, que vous vénérez tant, que vous adorez tant, dit Laurent Gbagbo est un criminel, a tué 3000 morts. Donc, comme c'est un homme de droit et docteur en droit, c'est que Gbagbo a tué, n'est-ce pas? Non, mais c'est vous qui le dites. Je vais répondre. On vous écoute, frère. Ok. Donc, bon, affaire de Dieu, tout ça là, les choses, Gbagbo a dit. Il ne s'agit pas de affaire de Dieu. Non, j'arrive. Vous me posez la question si Gbagbo est un avocat. Je vous dis, il ne peut pas. Même si c'est un avocat, tout le monde, je ne connais pas. Tu vois? Non. Vous dites que c'est un docteur en droit. Non, vous dites que c'est un docteur en droit. Et donc, pour vous, lorsque quelqu'un est docteur en droit, il maîtrise toutes les lois, il maîtrise tout. Rien ne peut échapper à ce dernier. Parce que c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Que ce n'est pas parce qu'il est docteur en la matière qu'il maîtrise tout. Vous dites non, comme il a affirmé ça, donc c'est tout, c'est bouclé, vous lui faites confiance à 100%. Voilà pourquoi je dis ce même docteur en droit, il connaît tous les droits du monde. Non, il dit Gbagbo a tué parce qu'il se base sur sa compétence en la matière. Est-ce que vous lui accordez ça? Celui qui écrit la constitution et celui qui n'écrit pas la constitution.
Qu'est-ce Ah, mais c'est sur cette même constitution, sur ton système Bakongo se basait, puisqu'il est le docteur en la matière, pour dire que Gbagbo avait perdu les élections, n'est-ce pas? Mais Donc, c'est pas une il avait constitution, raison. ça. Non, c'est pas Ah, une ok. constitution, ça. C'est pas Gbagbo a tué quelqu'un. C'est pas une constitution, c'est pas. Nous, faut pas Non, dire non, que non, c'est un non. débat. Il se Faut pas basait dire que c'est sur un cette débat. même constitution pour dire que Gbagbo avait perdu les élections. Comme il est maintenant, Gbagbo a docteur tué. Allons-y là-dedans, maintenant. vous lui Non, accordez allons-y ça. maintenant, Gbagbo a tué. Allons-y maintenant, Gbagbo a tué. Alassane a tué. Tout ça, allons-y là-bas. J'étais en boîte en 2000, Bon, quand ça écoutez, Non, 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 on a allons-y beaucoup là-bas. Allons-y échangé, là-bas. ça fait 11 minutes. Nous allons prendre Excusez-moi, d'autres personnes parce mais vous que m'avez j'ai pas laissé l'impression parler. qu'on n'avance pas dans le débat. Vous m'avez laissé même pas laissé parler. Vous Non, non, laissé. Mais je vous Qui ai a bel et tué? bien laissé. Moi, Regardez. je peux vous donner la preuve. Je vous ai laissé parler et vous pensez que moi, je ne vous ai pas accordé le temps. Oh, pourtant, tout le temps, vous. Mais tu me poses une question. Mais je te pose une Non, question. non, Ok, c'est cette comme dernière si question c'était que un je te débat pose. entre vous et Cette moi. dernière question. Ok, cette Pourtant, dernière ça question fait que je vous pose. presque Cette dernière 12 question minutes. que Je je vous vous pose. remercie, Je veux frère. 30 secondes. 30 Si secondes. 30 secondes. 30 secondes. Vous pouvez dire quoi que Alassane est présent en 2020. Quelle loi vous dit ça? Quelle loi? C'était la loi qui vous mettait. Je vous remercie. Quelle loi Je vous vais dit qu'Alassane prendre est quelqu'un présent en d'autre. 2020? Non. Quelle loi vous dit qu'Alassane est présent en 2020? Je pourrais attendre son Donc, Dites-moi vous cette m'avez loi-là. le jour, Dites-moi cette le loi-là, s'il jour, vous plaît. une loi sortira de votre bouche. Je Non, non, dis, non, non, non. Je Tu vais veux être retourner au pays, clair. je Le sais, jour où une je loi sais. sortira de votre Tu veux bouche retourner au pays, retourne au qui pays, c'est pas grave, interdit retourne à au pays, c'est Lassane pas d'être candidat grave. en Retourne au 2020, pays, ce c'est pas jour-là, grave. Retourne au je pays, sortirai retourne aussi une autre loi de ma bouche Oui, retourne au qui, pays, retourne au qui pays, donne c'est pas l'ordre à grave. Lassane d'être Je sais que candidat en tu veux rentrer au 2020. pays, tu veux rentrer à Mais Abidjan, tu veux rentrer à Abidjan, vous passer êtes là-bas, je enfié suis au sur des contraire de ce propos qui de est dit Cissé là. Bakongo Tu vas en le tuer? disant qu'il est Mais c'est pas docteur la peine. en droit. Donc pour vous, c'est fini. Et Donc, en comme plus, il est la loi, docteur les en droit, alors intérêts. tout ce qu'il dit, c'est Ok, vrai. bah. Ne faites pas ses erreurs, frère. Ce n'est pas parce qu'il est docteur en droit que tout ce qu'il dit est vrai. Ce n'est pas parce qu'il est docteur en droit que tout ce qu'il va dire, ou bien tout ce qu'il affirme, est vrai. Allô? Bonsoir, monsieur Diadier. Bonsoir, Madame Chaneka. Comment allez-vous? Ça va. Nous... C'est quoi le sujet? Vous êtes à Paris? Oui, en ce moment, oui. Ah, d'accord. C'est quoi le sujet? Oh, Soro Diom déclare la guerre à Alassane Ouattara parce qu'il ne veut pas respecter le deal qu'il y avait entre lui et Ouattara. Ouattara l'avait interdit de faire coalition avec Obédier, mais apparemment, Soro, il ne veut rien savoir. Il dit que lui, il n'est pas quelqu'un à qui on peut intimider et qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Donc, hier, la fois passée, il a été à Daokro pour poser les bases de leur future alliance. Oui. J'ai fait semblant de vous poser la question, mais je connaissais le truc. Ah, Je ok. veux revenir sur le oui, ce que l'autre monsieur disait tout à l'heure là. Il m'a fait beaucoup rigoler. Bon, ce que moi j'aimerais, je lui renvoie la réponse autrement. Si le président Alassane Ouattara n'est pas présidentiel pour 2020, par rapport à la Constitution, ce que les articles de loi disent, est-ce que Bédié est présidentiable? Question. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, on est le 26 février, à ce que je sache, le président Alassane Ouattara n'a pas dit qu'il va se présenter. C'est-à-dire que quand le président Ouattara est devant là, c'est à la dernière minute, ce n'est pas forcément lui qui va se présenter, ce sera peut-être une personne à qui il fait confiance, ou même des personnes à qui il va faire confiance, qu'il va envoyer pour poser leur candidature. Oui. Donc, il n'a pas encore dit qu'il va se présenter. Maintenant, la question que je... Parce que les gens, ça les arrange mettre le chaos. Soro Guillaume va voir Henri Konan Bédié en tant que qui? Question. Parce que Henri Konan Bédié dit que Ouattara l'a trahi. Chose que nous, on sait, Ouattara ne l'a pas trahi. Quand ils ont été à Makossi, c'est eux qui ont signé leur deal. Comme quoi, après, une fois que Ouattara dirigeait le pays au bout de 10 ans, eux, ils allaient se mettre ensemble, c'est-à-dire le PDCI et le RDA, et ça allait s'appeler le RHDP unifié. Et Bédié maintenant dit que Ouattara l'a trahi parce que Bédié dit qu'il faut que lui a rendu service. C'est-à-dire qu'eux tuent les Ivoiriens, ce qu'ils appellent rendre service. Lui a rendu service, il faut que maintenant, il lui donne l'occasion de prendre le poste, de
fauteuil présidentiel. Mais Bédié a eu le poste de fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire. Il a fait quoi? Question. Il a fait quoi de bien qui comme édifice qui est voyant? Par exemple, comme les ponts, comme les grands magasins, pour ne pas dire les grands domaines que tu ressembles au Galerie Lafayette où il y a les escalators, même autant de Faubagny, il n'y a pas d'escalator. Est-ce que Bédié a fait tout ça? Question. Voilà. Mais le monsieur qui était en train de lutter avec vous tout à l'heure, là, il est en train de se battre sur M. Hassan Ouattara qui n'a même pas 78 ans, alors que Bédié veut se représenter. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal entre Bédié et qui on peut critiquer dans ces deux personnes-là? Question. Bédié est très âgé. Bédié est très âgé. Si on le voit marcher, s'il se présente là, c'est pour faire quoi? C'est pour être à la présidence et puis prendre l'argent et puis bouffer, quoi, acheter des cigares, puis acheter des chivas. C'est pas que je manque du respect à Bédié, hein, c'est moi, je suis peu d'essayer. Mais oui. Je dis que ne faut pas être égoïste quand on arrive à la fin de sa vie, vous dites que je m'en fous, même si on doit me tuer, même si on doit me mettre en prison. Non, c'est pas ça. Parce que dans je m'en fous, là, il y a des milliers d'Ivoiriens qui peuvent mourir. Voilà. Donc, le président Alassane Ouattara, il peut se représenter s'il voit que. Il n'y a personne devant lui, il peut se présenter. Mais qu'est-ce que les Ivoiriens ne comprennent pas quand ils disent qu'il n'a pas le droit de se présenter? Il peut se représenter. C'est lui qui a commencé le boulot. S'il n'y a personne d'autre en face de lui, il peut se représenter. Mais ce n'est pas son souhait. Ce n'est pas son souhait. Quand on entend parler, ce n'est même pas son souhait. Il veut même se retirer, mais il veut mettre des gens bien à qui faire confiance pour continuer le travail qu'il a fait. Mais s'il n'a pas encore mis les gens, une chose, ils sont en train de se précipiter là. Mais ils ne savent pas, c'est peut-être c'est Gonc-Coulibaly qui va mettre le candidat du RHDP unifié PDCI. Peut-être c'est un tel qui va mettre, je ne sais pas si c'est tout le nom, peut-être c'est un autre tel qui va mettre. Mais jusqu'à preuve du contraire, le président Alassane Ouattara n'a pas dit qu'il est candidat aux élections. Même quand les journalistes posent les questions, il dit quand le moment arrivera, on verra. Voilà. Maintenant, le Soro là, qui est parti à Dayoko, où ça a parce que ça a un peu mal tourné. Parce que Bédié veut être candidat de la présidentielle. Bédié s'est rendu compte que Soro, alors qu'il veut faire il voulait faire une plateforme, mais Soro veut être candidat aussi. Ça n'arrange pas à Bédié. Ça n'arrange pas à Bédié. Voilà le bangba maintenant qui est entre les deux. Ça veut dire qu'il y a eu la petite souris qui est Soro, le petit gros ventre qui est Soro, la petite souris. Et puis il y a eu le gros rat qui est M. Tonton Bédié. Donc aujourd'hui, Bédié s'est rendu compte que le petit aussi veut faire à l'envers. Alors que Bédié, dans sa tête, si Soro vient me rejoindre, c'est pour qu'il me pousse, moi, Bédié, à 86 ans. En 2020, j'aurai 88 ans, alors qu'au présidentiel, mais attendez, soyons, ayez un peu de respect pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Alassane Ouattara a toutes ses facultés. S'il veut se présenter encore, il peut se présenter. Si les Ivoiriens lui demandent de se représenter, c'est même un droit qui se représente. Voilà. C'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Ok. Nous vous remercions infiniment pour votre très brillante intervention, Madame Chaneka. Merci. Bon, nous allons mettre fin au direct. Je suis tellement fatigué. je suis fatigué. Donc, demain... à la même heure, à 20h. Donc, je pense qu'on sera à jour, on sera à l'heure. C'est très important. Donc, on fera un effort pour que chaque soir, on puisse faire les directs. On les faisait, mais on avait mis fin à ça. On n'était plus sur la toile, mais on revient encore en force. Donc, là encore, je vais chercher d'autres appareils. Comme ça, je vais permettre plusieurs antennes. Ouvrir aussi d'autres antennes, Imo, Viber et tout ça. Comme ça, des gens pourront appeler. Et pour demain, pour ceux qui aimeraient intervenir en direct, par exemple, il y a d'autres qui appellent en direct sur Facebook, comme ça. Et on voit leur vidéo, ils parlent en même temps. Donc, ceux qui veulent faire ça, ils peuvent faire appel en vidéo pendant le direct. Et d'autres peuvent les voir. Et ceux qui ne veulent pas qu'on voie leur visage, ceux qui ne veulent pas parler à visage découvert, ils pourront nous joindre via WhatsApp. Donc, on ne peut plus décrocher. En ce moment, je suis fatigué. On est ensemble. C'était l'incontournable, il y a compris. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le peuple ivoirien. Vive les Ivoiriennes. Vive les Ivoiriens. Ciao, ciao. C'était moi, on est ensemble. Bonne nuit à vous.